Bonjour à tous, bienvenue encore ce matin sur votre antenne, mesdames et messieurs. L'édition de ce matin encore pour une belle rencontre autour de la grande famille. Et vous aussi qui chaque matin prenez du plaisir à nous regarder, installez-vous confortablement au cœur de 10-12, le Zénith. Et encore ce matin, des sujets aussi intéressants. Salut bien sûr à Charles Amen Batou, salut à Isabelle Caron-Zoupet, salut à Mbombo Ben Gankandi et Dominique Audreau-Yengelec. On y va rapidement dans le sujet de ce matin qui vous intéresse, qui vous interpelle et qui nous donnait en même temps de mieux savoir ce qu'il en est de l'histoire du jour. Dominique Audreau-Yengelec, bonjour à vous ce matin et bienvenue. Bonjour Michel Ngatchou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous présente la situation de cette dame qui ne comprend pas la réaction exagérée de son mari. Elle mentionne qu'il y a quelques semaines, celui-ci a bouffé une tontine et qu'il a pris 400 000. Il lui a demandé d'arrêter pour ne pas utiliser cet argent. L'argent n'avait pas été programmé, donc elle devait simplement tenir cet argent et le lui rendre et rendre l'argent lorsqu'il en aurait besoin. Heureusement ou malheureusement, il y a sensiblement une semaine et demie, c'était l'anniversaire de son mari, il fêtait ses 50 ans de vie. Et celle-ci a décidé de faire d'organiser un anniversaire surprise à son mari. Elle a invité des collègues à lui, des amis, la famille, à son insu. Ce soir-là, il revient du travail et il trouve tout le monde à la maison. Il était tellement content, il a réitéré l'amour et la reconnaissance qu'il avait pour sa femme de lui avoir fait cette magnifique surprise qui a coûté sensiblement 200 000 francs, 200 à 300 000. C'est ce que la dame dit. Elle a pris 300 000 sur les 400 000 que son mari lui avait donné pour organiser cet anniversaire surprise. Il y a que c'est lundi hier que son mari lui demande de lui restituer les 400 000 qu'il lui avait donné, qu'elle arrête. Il était temps qu'il puisse utiliser pour faire quelque chose. Cette femme lui a dit que non, malheureusement, elle a utilisé cet argent pour lui faire plaisir, donc il ne reste que 100 000 et les 100 000, elle a donné à son mari. Son mari a décidé de la mettre à la porte en lui disant que tant qu'elle n'aurait pas les 300 000 manquant sur la totalité des 400 000, elle n'avait pas à remettre les pieds à la maison. Des membres de la famille ont essayé de parlementer avec lui pour qu'il au moins qu'il accepte que sa femme revienne à la maison. Celui-ci est tellement en colère, tellement courroucé, qu'il ne veut même pas la voir en peinture. Donc, elle veut savoir comment se faire pardonner et est-ce que c'est mal de vouloir faire une surprise à son époux. Dans l'argent de son époux. Oui. Voilà. Communauté des biens. Sans son accord. La mention est importante. Sans son accord, sans son aval, sans qu'il ne soit informé de ce que, voilà, écoute, tu y arrives, je ferai la livre. Je vais bien te surprendre, mais sache quand même que sur les 400 000 que tu m'as donné, j'ai pris 200 000. 300. La définition de la surprise, c'est quoi? Oui, est-ce que là encore une surprise? Parce que la surprise est désagréable, me semble-t-il, Dominique. Mais il a haussé les épaules ce soir-là, à l'anniversaire. Ouais. Il s'est vanté devant tout le monde. J'ai une femme merveilleuse, j'ai une femme tellement entreprenante. Elle prend tellement les devants, tellement elle-même, quand même 50 ans, ce n'est pas 50 jours. Aujourd'hui, l'espérance de vie, je crois que ça frôle sensiblement les 50 ans. Donc, c'est simplement une femme qui, pour la première fois, a estimé que son mari, durant toute sa vie, n'a jamais connu ce genre de choses et elle voulait faire plaisir à son époux. Aujourd'hui, son mari la met à la porte simplement pour 300 000 francs. Je trouve que c'est un peu pousser le bouchon. 300 000, d'accord, si on veut. Mais cet argent n'était pas programmé. Ouais. Il n'avait pas prévu de faire quelque chose de particulier. Mais qu'est-ce que nous en savons? Parce qu'en même temps, votre mari vous remet 400 000. Il vous dit, tenez cet argent, on en reparlera plus tard. Mm-hmm. Quelques jours après ou quelques semaines après, il fait ses 50 ans. Du moins, il célèbre ses 50 ans. Oui. Vous, madame, oui. Vous choisissez quand même, par amour, vous le dites très bien, d'y plonger la main et d'en faire une fête sans son aval, sans son accord. Oui. Et qu'il soit surpris par la suite de se rendre compte que les 200 ou 300 000 sautent, piquent une colère, vous mettent dehors et vous demandez comment on fait pardonner. Vous, qu'est-ce que vous en dites, vous, Dominique? Si, en revenant de la réunion où il est allé bouffer, ces 400 000, on l'avait agressé. Il aurait mis qui dehors? Sa femme? Non. Je crois que c'est disproportionné. Ah ouais, oui, la réaction du monsieur est disproportionnée. La femme déborde tellement d'amour. Cette femme aime tellement son mari qu'elle a même arrêté de réfléchir complètement. C'était quoi la contrainte de célébrer les 50 ans?
C'est que c'est 50 ans. Mais c'est quoi la contrainte? Qu'est-ce qui t'impose à faire une célébration pour tes 50 ans? Ça arrive encore une seule fois. Michel Ngatchou, vous avez eu un anniversaire il y a quelques temps. On vous a organisé des fêtes surprises. Bien sûr. Et ça vous a plu? Bien sûr. Bah, justement, c'est la même chose. Elle voulait simplement faire plaisir à sa moitié. Lui dit vraiment, je remercie la Providence d'avoir eu un homme comme toi dans ma vie. Et en plus, tu fêtes 50 ans. C'est un demi-siècle. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Dans cette femme, peut-être, l'amour, le trop-plein d'amour fait qu'on perd de la raison. Et c'est, je crois que la citation trouve son sens dans l'acte de la dame. Elle aime tellement son mari qu'elle a arrêté de raisonner. Et malheureusement, son mari aurait dû comprendre que cette femme, elle est très aimante. J'arrête pas de rire, Dominique Audrey. Vous vous moquez de moi, en fait. Non, pas de vous, en fait. C'est que je veux bien comprendre qu'est-ce qui peut animer une dame. C'est l'amour. Mais tu ne te dis même pas que nous, il y a 400 000 francs, là, mon chéri. Je ne sais pas, qu'est-ce qui manque ici? Quel est le projet qu'on peut mener? Non, non. S'il y avait quelque chose de programmé avec cet argent, forcément, il aurait dit à sa dame, bon, les 400 000 si, on va avancer ça pour le bien d'avion de Nanou. On fait une concession sans projet? Non, est-ce que ce n'est pas seulement 400 000 qu'il a bouffé? Il a dit, bon, avec les 400 000 si, arrête, puisqu'on n'a encore rien prévu de faire avec, tiens, juste, du moins, arrête ça comme ça. Le moment venu, on fera ce qui pourra être fait avec. Donc, c'est un argent, en fait, qui ne souffrait de rien, qui n'avait pas été programmé. Il y a des argents comme ça, qu'on utilise comme ça. Et cette femme a simplement pris les devants, a offert un cadeau, une jolie montre à son mari, a offert une fête digne de ce nom, à la hauteur de ce que son mari représente pour elle. Et aux yeux du monde, elle lui a réitéré son amour. Lui également, ce jour-là. Essaie de venir rembourser 300 000. Ça arrangerait les choses, non? Si elle rembourse, ça va peut-être arranger son mari, mais ça va détruire considérablement ce qu'elle peut éprouver pour lui. Parce ouais. que si votre femme utilise de votre argent et que vous demandiez qu'elle rembourse, je crois que c'est offensant, c'est offusquant de demander à votre femme de rembourser votre argent. Ça va créer d'autres problèmes. Elle peut effectivement rembourser, mais il y aura une scission dans le foyer. Est-ce que vous trouvez judicieux, justement, Elisabeth Carozopet, que l'homme s'arrête quand même sur 300 000 francs, juste au point de mettre sa femme hors de la maison et lui intimer l'ordre qu'en venant qu'elle ramène ses 300 000. Comment vous comprenez ça, vous, ce matin? Vous ne revenez plus? Pourquoi? Parce que je ne vaux pas 300 000. Ouais. Je ne vaux pas 300 000 et pour ça, je ne reviens plus. Mais si vous ne valez pas 300 000, pourquoi plonger la main dans son argent? Je ne vaux pas 300 000, Michel Ngatchou. Ça veut dire que moi, je vais même me réjouir à la place de la dame parce que je vais comprendre vraiment que mon mari, vraiment, c'est avec la main gauche qui me tient, quoi. C'est-à-dire qu'il a l'impression que c'est ce que je vaux. Mettre une femme à la porte pour 300 000, Michel Ngatchou, c'est sérieux, ça? Moi, j'ai envie de demander parce que je n'arrive pas à croire ou à comprendre comment un homme peut mettre sa femme à la porte pour 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA représente quoi? Par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est ce que je veux bien comprendre. On parle de votre moitié, de la femme de votre vie. Celle qui a risqué sa vie pour vous faire des enfants, vous venez la mettre à la porte pour 300 000 francs CFA. Je trouve que c'est injuste, c'est tellement poussé, c'est même trop poussé. Vous êtes adorable ce matin, les femmes. Non. Franchement. Maintenant, hein, on peut rien le dire. Vous avez automatiquement raison. 300 000, c'est l'argent des arachides. C'est pas possible. Poursuivez, Isabelle Caron. Elle a pris cet argent pour faire plaisir à son mari. Sans son accord, pourquoi? Non, permettez. Je crois que si la dame a pris sur elle d'enlever 300 000 francs CFA sur 400 000 pour faire un anniversaire surprise à son mari, pas son anniversaire à elle, ou encore pour sa mère ou son père, je crois que monsieur peut se dire, bah, chérie, tu aurais dû m'en parler et tout. Mais c'est deux phrases. C'est deux phrases. C'est-à-dire qu'il peut manifester son courroux en deux phrases. Mais pas de dire, madame, vraiment, tu gagnes la porte parce que tu as utilisé 300 000 francs CFA. Quand même, je crois qu'il y a quand même lieu de se vexer un tout petit peu. Mais de là, mettre ses affaires à la porte, je trouve que c'est trop poussé de la part de l'homme. Peut-être qu'elle aurait dit encore que c'est une surprise qu'elle a voulu faire. Et si elle a voulu faire une surprise, elle n'a pas voulu parler à son mari de ce qu'elle devait retirer l'argent sur ses 400 000 francs CFA, encore que ça n'avait pas encore de destination. Et autre chose, si la dame se permet de le faire, c'est parce qu'elle sait très bien les revenus du couple. Une femme ne peut pas savoir que, ok, d'accord, les 400 000 francs, s'ils représentent l'alpha et l'oméga dans son couple, et prendre et utiliser plus de la moitié. Ouais. Donc, si elle a pris sur elle d'utiliser 300 000 francs CFA
parce qu'elle sait que vraiment le couple n'agonise pas financièrement parlant. Son mari n'est pas impuissant financièrement parlant. Donc enlever 300 000 francs sur je sais combien de millions, vraiment ça n'enlève rien à ça. Et venez dire que madame, tu vas sortir parce que tu as utilisé de l'argent, je trouve que c'est faux. Sinon pourquoi dans ce jour, il se réjouissait à manger, à boire, à communier avec ses collègues, avec sa famille, avec ses amis. Est-ce qu'il est un peu de votre point de vue narcissique de ne pas demander à madame, d'accord, tu me fais une fête surprise, c'est bien, mais où est-ce que tu as pris l'argent pour ça? Il fallait qu'il le fasse avant. C'est ce qu'il devait faire le jour J. Et s'il savait... Mais chérie, écoute, tu m'as fait un très bon anniversaire, mais je voudrais savoir, tu as pris l'argent où? Mais c'est ce qu'elle fait par la suite. Elle lui dit, j'ai piqué, j'ai pris l'argent dans ce que tu m'as donné. Oui. Ouais. Vraiment. Et c'est un argent qui peut se rembourser, non, Michel Ngachou? On ne parle pas d'une vie, mais c'est pas comme bon, si elle avait tué quelqu'un aussi. Oui, je pose la question, et si elle remboursait? Vous dites justement que vous comprendrez... Je rembourse ton marrer, argent et puis c'est bon, je m'arrête là parce que je comprends que... Vraiment, je n'ai aucune place, je n'ai aucune valeur à tes yeux. Ouais. Si ma présence se résume à 300 000 francs CFA, je te laisse offrir ces 300 000 francs CFA et tu n'auras qu'à les épouser, à épouser cette somme d'argent. Et puis là, vraiment, vous, on pourra passer à autre chose. Vous sortez, vous partez maintenant. Mais c'est le choix que tu fais. Entre moi et l'argent, tu choisis l'argent. Combien? Combien? Combien pour une femme? D'accord. Entre qu'une femme pour 300 000, Michel Ngachou? Je sais pas. Même un toqué porte à 300 000, c'est rare encore de voir ça. Très bien. Bon, bon, moi je vous écoute également ce matin. Et nous vous écoutons en même temps. On veut bien comprendre l'histoire, la situation des 300 000. M'excusez, pardon. La situation bah vous riez parce que vous êtes conscient que 300 000 ne représente rien. La situation des 300 000, bon, Bengane. Est-ce qu'on peut quand même ici mettre sa femme hors de la maison pour 300 000? Oui. Et heureusement qu'il y a encore des hommes dans ce monde. J'ai dit heureusement qu'il existe encore des hommes dans ce monde. Celui-là, c'est un homme alors. C'est un homme, oui, celui-ci c'est un homme. Mon fils, très bien. Très bien. On vous dit de garder. Et justement, c'est pour ça qu'il faut piéger vos femmes, surtout en matière d'argent. Il faut les piéger. L'homme savait. Il sait que sa femme est dépensière. Il sait. C'est pour ça que juste après la fête, il a dit. Chérie, donne-moi ce que je veux. Il savait. Non, vraiment, félicitations, mon fils. Donc, c'est un piège pour la mettre dehors ou un piège pour la corriger. Ce genre de femme ne peut pas vous permettre d'évoluer. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas. 25 ans de mariage, c'est. Ce ne peut pas. Elle ne peut pas vous permettre d'évoluer. Bien sûr. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Dans l'anniversaire. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver là. Ouais. On sait que mon mari aura 50 ans dans un an. D'abord, son dans 25 ans. Donc, il se sont mariés quand l'homme avait 25 ans. Il faisait comment les autres jours d'anniversaire? Bon, si elle ne faisait rien et qu'elle avait gardé la surprise pour le demi-siècle, très bien. Elle a préparé quoi pour cette surprise-là elle-même? Comme elle est vraiment amour, après Dieu, c'est elle. En matière de distillation de l'amour, après Dieu, c'est elle. Elle avait donc prévu faire quoi s'il n'y avait pas les 400 000? Parce qu'on ne fait pas l'histoire avec les si. Ouais. Je prépare l'anniversaire de mon mari. Mon mari aura 50 ans dans 10 ans, aura 50 ans dans 9 ans, aura 50 ans dans... Vous commencez à préparer, justement. C'est quand même 300 000. Hein. Elle n'a pas fait ça. Elle ne l'a pas fait. Donc, c'est une femme qui est à la limite dangereuse. C'est pour ça qu'on vous dit que la polygamie est bien. Parce que quand une femme fait comme ça, au moins, vous pouvez aller dans les bras d'une autre. Si elles étaient deux, elles auraient utilisé les 400 000. Bon. Non, vous épousez la troisième. Donc, donc, cette femme, c'est une femme dangereuse. Mais pour ce cas précis, non, je pourrais lui dire, intégrez-la, mais mettez-la hors de votre budget. De budget, c'est le genre de femme qui, si hier ils n'avaient pas fait, ils n'avaient pas bien calibré les choses, surtout en matière d'argent, vous repositionnez les choses, vous recalibrez les choses, c'est-à-dire que en l'amenant à, j'allais dire, oui, en l'amenant à des exercices comme si c'était des petits-enfants, comme si vous feriez à vos enfants. Parce que ça, c'est une femme qui ne vous aime. Vous ne pouvez pas planifier quelque chose avec une telle femme. Elle est dépensière, vous dites justement, mon oui, Bengane. Oui, tout à fait. Et, alors, je pose la question de savoir, est-ce que l'homme s'entend, sachant justement l'attitude de sa femme, lui donnant cet argent,
savait en fait qu'elle devait dépenser, oui. Alors, maintenant que c'est dépensé, la mettre dehors, est-ce que c'était prémédité? Non, mais prémédité comment? Prémédité comment? D'abord, l'homme qu'on savait que... Est-ce qu'il n'y a pas une autre sanction? Non, il y a plusieurs sanctions, il y en a plusieurs, mais cette sanction aussi... Mettre dehors, c'est pas extrême quand même? Non, non, c'est ça qui s'y est. Parce que en fait, à bien regarder, vous allez voir que cette femme, non seulement elle est dépensière, elle veut le matu vu. Est-ce que le quartier sait que mon mari est que... Voilà, c'est ce genre de femme-là. Donc, en réalité, il n'y aurait pas de secret. C'est pour ça que son mari, connaissant ça, il lui a donné tous les honneurs. Vraiment, tu es la meilleure femme. Tu es... Mais dès que les étrangers partent, madame... Mais l'agent, c'est... femme cap. Donc, non. L'agent-là, c'est où? Parce qu'il savait. Maintenant, il va la reprendre. Mais... en recalibrant, en repositionnant, mais surtout... Donc pour vous, c'est la meilleure sanction. Oui, oui, en ayant une deuxième. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter là. Même s'ils étaient mariés sous le régime monogamique, ouais, il faut chercher quelqu'un. Alors en 30 secondes, Dominique Audrey, la sanction, elle est bonne. Selon vous. Non, pour moi, Mbengal, elle est bonne. Oui, oui, oui. N'est-ce pas? Pour c'est lui, les dépensières. Donc, elle n'est pas obligée de rembourser, parce que là, quand même, c'est l'argent. Elle n'est pas obligée de rembourser les 300 000. Oui. Mais... elle est obligée d'accepter une coépouse maintenant. on peut l'adresser quand même à une petite défense. En fait, on veut nous dire que la femme aujourd'hui sert de punition pour une autre femme. Non, parce que votre femme, c'est une bêtise. Le monsieur avait déjà une autre femme. Il voulait un prétexte pour signer polygamie. J'ai dit non. Le monsieur a supporté 25 ans. Supporté. Non, on parle pas de polygamie ici. C'est bon, qui pense qu'il faudrait peut-être commencer à préparer des solutions possibles. Une deuxième femme. Quand le monsieur est torturé pendant 25 ans. Torturé pendant 25 ans. Torturé. Ça veut dire que cette femme. Oui, mais absolument, elle est torturée pendant 25 ans. Donc, aimer un homme, c'est le torturer. Oui, attends, je demande, est-ce qu'on peut redresser une femme dépensière en la mettant dehors et en la ramenant au qu'elle est. Personne ne dit qu'elle est dépensière. Faire un cadeau à son mari. Je m'appelle la l'argumentaire de bon Bengan. Faire un cadeau à son mari ne fait pas de vous une femme dépensière. Si elle était dépensière, elle n'aurait même pas fait une fête d'anniversaire. Elle aurait dépensé pour faire autre chose. Marie, donc elle a fait ça pour garde lui. Garde-moi mes 100 pour francs. Lui. Garde ça. C'est lorsque vous donnez l'argent à un homme, quand il l'utilise, il vous rembourse. D'accord. Non. Isabelle Carole, donc, on est d'accord. Vous avez peur justement qu'il puisse prendre une deuxième épouse là, dans ce cas-là. On a peur de quoi, Michel Ngatou? Vous n'avez peur de ce que monsieur prenne une. Vraiment, épouser une femme n'est pas une faveur. C'est pas comment on va vous dire ça. Vraiment, si je savais parler toutes les langues du Cameroun, je le dirais en toutes les langues. Épouser une femme, ce n'est pas une faveur. On épouse une femme parce qu'on l'aime. Et elle peut même vous dire non. Et ce monsieur vous pouvez même venir même pour l'épouser, elle vous dit non, elle ne vous aime pas, vous ne l'épousez pas, c'est tout. Parfait. Donc sachez donc que quand vous épousez une femme, c'est parce qu'elle vous a aimé elle également. Et l'argent du mari, c'est aussi votre argent, sauf si je me trompe. Absolument. Sauf si vous voulez me dire autre chose sur ce plateau. Elle a pris l'argent de son mari pour pouvoir organiser cette fête. Moi, je crois que même si le monsieur est choqué, oui, d'accord, on peut reprocher à la femme de n'avoir pas informe mon mari de ce qu'elle a, elle a pris 300 000 francs CFA, mais c'est une somme qui peut se rembourser, Michel Ngatou. On ne parle pas de 300 000 francs CFA ou de 3 millions ou de 300, c'est pas. Prenons la vie de Charles Amène Batou, l'histoire de ce matin, Charles Amène. Justement, on tente de trouver des solutions. Il faut ramener cette dame à la maison, il faut la réinsérer quand même au sein de sa famille, il faut calmer son mari. L'argent fait problème, l'attitude semble faire également problème. Votre point de vue ce matin, Charles Amène. Vous dites qu'il faut la ramener à la maison. C'est l'objectif quand même. Votre objectif. C'est le vœu. D'accord, c'est votre vœu. Donc pour vous. Monsieur Michel Ngatou, pour avoir regardé dans ma veste, je te vis. J'ai dit regardez dans ma veste, je te vis. Pour avoir pris mon portefeuille, je te vis. Il y a quand même une communauté de biens. Là. J'ai dit, je te vis. Les Bantous ne connaissent pas la communauté de biens. Les Bantous ne connaissent pas. Parce que la valeur de l'homme Bantou ne s'arrête pas au bien. Vous n'avez rien fait pour avoir la terre. Vous sortez tous les jours, vous cherchez l'argent, vous devez trouver l'argent. C'est l'argent qui vous trouve, ce n'est pas vous qui trouvez l'argent. Les Blancs sont venus mettre dans la tête, oh je sors chercher l'argent, je sors chercher l'argent. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Levez-vous chaque jour à 2 heures. Levez-vous chaque jour à 2 heures. Et asseyez-vous sur votre lit. La vie va vous appartenir. Non, M. Michel Ngatou, il est plus facile de dépenser 100 000 que de travailler 100 000. Absolument. Très facile. En une minute, on vous brûle 100 000.
Mais il faut des semaines et des jours pour travailler sans main. Est-ce que cette femme a conscience des efforts que fournit son mari pour pouvoir épargner chaque semaine au point d'avoir 400 000 francs? Première question, je vous répondrai moi-même, non. La plus belle punition qu'on peut offrir à une femme, c'est en la mettant dehors. Vous savez quoi? Vous êtes, on a sur le plateau des jeunes filles. Vous n'êtes pas extrémiste. J'ai dit on a sur le plateau des jeunes filles. Des femmes. Des femmes. Et non, j'ai dit des jeunes filles. Permettez-moi, elles ne sont pas encore vieilles. Parce que si vous sortez, vous appelez la mère. Elle va vous dire, c'est moi qui t'ai accouché, je peux t'accoucher. Donc permettez-moi d'appeler les expressions terre à terre. Monsieur Michel, avec les mamans à la maison, quand la fille commence à faire, qu'est-ce que la maman disait? Je ne veux pas perdre mon mariage à cause de toi. Ouais. C'est les phrases que les... Je parle, regarde. Je ne veux pas perdre mon mariage à cause de toi. Si je sens que tu me dépasses, je te chasse. Vrai ou faux? Vrai, monsieur Michel Ngachou. Bon, c'est pas. Par conséquent. Il faudrait qu'elle nous dise aussi. Non, elles le savent. Elles le savent. Dès que tu commences à rentrer en dedans, tu dis, hey, je ne veux pas perdre mon mariage à cause de toi. Donc vous voyez que la jeune fille, même pour sa propre maman, représente un danger. Lorsque la fille se colle trop à son père, la mère lui dit, madame, va chercher ton mari, laisse mon mari tranquille, je veux causer avec mon mari. Donc vous voyez, ces situations se créent dans le foyer. Donc la femme devrait protéger son mariage. Ce qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas protégé son mari, parce que dans le mariage, il y a le permis et il y a l'interdit. Quel était le permis? Touche ici, ne touche pas là. Le côté-ci, mon côté, pour ceux qui dorment dans la même chambre avec les femmes, mon côté-ci ne traverse jamais. Ce sac qui est au sol-là ne touche jamais. Le salon ne t'appartient pas, juste pour balayer. C'est moi qui nettoie et les guéridons et tout. Madame, tu ne touches pas le coin musical. Madame, tu ne touches pas ma cave à vin. Madame, c'est l'interdit. Madame, tu ne prends aucune décision sans me consulter. C'est l'interdit. Vous ferez, vous faites justement jaser des femmes ce matin. Non, ça. Monsieur Michel Ngachou, je vous parle du permis vont, et de l'interdit. Elles vont se demander justement dans quel monde est-ce possible. Code de conduite d'un mariage. C'est la règle du mariage. Plein de divorces. Madame, quelqu'un entre dans cette maison, ce que tu as l'obligation de lui servir, c'est la nourriture et l'eau. Et le vin, c'est moi. C'est l'interdit. On est d'accord. Madame, tu décides d'organiser quelque chose. C'est que ce soit ma surprise, je dois être informé. Surtout, c'est même les dépenses. C'est justement même ça. L'origine est revenue. Donc vous vous rendez compte que la femme s'est permise des libertés dans les interdits qui lui ont été conférés par son mari. Et c'est ça qu'elle paye, monsieur Michel Ngachou. Elle paye par la sanction la plus douce. Je dis c'est l'une. Mettre sa femme dehors, c'est la sanction la plus douce. Monsieur Michel Ngachou. Parce qu'en étant dehors, cette petite honte. Maman, tu fais quoi? Pourquoi tu n'es pas là? Maman, mon mari m'a mis dehors. Tu as fait quoi, ma mère? Assieds-toi, tu me rencontres. C'est ça, c'est une petite honte. Et ça, pour les Bantous, mettre sa femme. Parfois, votre femme, vous vous retrouvez dans une maison, dans la maison avec la femme, elle a des difficultés à cuisiner. Vous la prenez techniquement, vous dites que non, ce week-end, si on va un peu faire un tour au village, vous allez dans la voiture, vous chargez ses affaires. Vous arrivez, vous la laissez chez un man, elle ne connaît pas préparer. Vraiment, ça, c'est... Vous la laissez, vous rentrez. Donc, c'est des stratégies, monsieur. Sacré chalabelle, Ngachou. C'est des stratégies. Vous êtes incorrigible. Non, monsieur, monsieur, je reste dans le code. Ouais, donc, il a sanctionné, la femme doit faire amende honorable. Parfait. Cette amende honorable, elle va se battre, même si ce n'est que 25 000, même si ce n'est que elle reviendra dire à son chéri, j'ai compris mon erreur, je te demande pardon, en voulant bien faire, j'ai mal fait, j'ai transgressé les interdits, je me prépare et je me propose à rembourser sous toutes les formes. Dans un sourire, monsieur Michel Ngachou. Michel Ngachou, vraiment, il y a des choses qu'on ne permet plus en 2021. On ne peut pas être dans un mariage et être hors du mariage. Ça ne peut pas se faire. Ou on est marié, ou on n'est pas marié. Ouais. Ceci est interdit. Mais finalement, ceci est permis. Je suis donc venu être quoi, ménageur chez toi.
Si on est dans la même maison, ça veut dire qu'on doit avoir la latitude de pouvoir tout toucher. Non, non, non. Oui, on doit avoir cette latitude de pouvoir tout toucher. Homme, on parle de votre maison. Un homme qui suit sa femme dans la cuisine, c'est un mauvais homme. Tu voilà. peux faire quoi dans la cuisine? La cuisine m'est interdite. Même si c'est commence, la femme va dans la cuisine. Vous n'avez même pas besoin d'aller à la cuisine parce que vous êtes d'accord que tous les meilleurs morceaux, c'est à vous qu'on donne. Nous, on ne mange que les restes aussi. Donc, vous n'avez même pas besoin de venir à la cuisine nous chercher aussi. C'est quand même ambigu. En tout cas, on vous a compris avec Carole. C'est tellement poussé. D'accord. Je sais pas, il faut vraiment une raison, je sais pas, la plus extrême pour mettre les bagages de sa femme dehors. On réfléchit pas 100 fois. Il n'a pas jeté les affaires. Il a dit il à a sa mis femme, la femme dehors. Va me chercher mes 300 000. Elle va chercher ça où? Là où elle a dépensé. Pas ça, mais pourquoi, elle repasse tout ce qu'elle a dépensé. Elle va faire ça, mais ça représente quoi? Merci beaucoup, cher Lamel. Je voudrais quand même vous passer un petit message à vous tous sur le plateau. Oui, on va le dire, monsieur Ngatchou, pendant le mariage. En pleine soirée de mariage, il y a une dame qui me dit si vous. Non, écoutez, laissez tomber. On évolue. On est en animation à la télévision. Arrêtez de nous intimider dans le cas où on ne veut pas. C'est quoi le problème? Voilà. Alors, on vous dit dites à cher Lamel Batchouk, à chaque fois qu'il est à la télévision, lorsqu'il parle, mon mari est au salon, j'éteins la télévision. C'est une dame qui m'envoie le message pour vous présenter ce plateau. Oui, quelle éteinte. Voilà. Oui, c'est une éteinte parce que vraiment, il va prendre conscience. Non, vous dites ça, mais c'est gentil. Monsieur, ils sont en train de mettre leur femme à la porte. On va sortir. Il est un temps pour la femme d'avoir les oreilles. Vous allez vous rendre compte que les oreilles de la femme sont plus larges que les oreilles de l'homme. Parce que la femme a l'objectif d'écouter. Merci. Et quand l'on parle, merci. Elle doit merci. Écouter. Merci, monsieur Mbatchouk. Arrêtez. On va saluer toutes les femmes qui nous regardent ce matin. S'il non, vous plaît, mesdames. Ce matin, s'il vous plaît, mesdames. Lorsque monsieur est au salon et que le Zénith est en train d'être diffusé. Ce n'est pas ça, monsieur Michel. Vous Non. Qu'elle reste avec nous et qu'on poursuive. Merci. Écoutez vos maris. Voilà. Merci. Ne dépense pas l'argent de votre mari. Garde, tu gardes. Merci beaucoup. C'est 10-12. Le Zénith. Et dans un instant, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon des carcasses de véhicules accidentés ou en panne sur les axes routiers sans aucune signalisation dans ce pays. Combien de temps un véhicule en panne doit-il rester garé sur la chaussée ou sur les trottoirs? Si trottoirs, il y en a. Question. Le ministre des Transports, Ngale Bibé, avait pris sur lui de nettoyer toutes les épaves des bateaux qui encombraient les différentes voies maritimes. On a applaudi, on lui a tiré un coup de chapeau, mais hélas, il a abandonné l'une des voies les plus importantes, l'un des chemins les plus importants, la route, virgule, les axes routiers, virgule, les pistes. Permettez-moi, il faudrait que chacun se retrouve. Sur nos axes routiers, nous avons plein de véhicules en panne. Nous avons des remorques, des camions semi-remorques, des camions remorques, des bus, des agences de voyage, des bus, des véhicules de tourisme abandonnés et en panne à des endroits accidentogènes, à des endroits extrêmement dangereux. Pourquoi n'enlève-t-on pas ces véhicules? Faites l'axe lourd Douala-Yaoundé. Douala-Yaoundé a 73 véhicules.
73 véhicules abandonnés le long de la voie. Et à des endroits très dangereux, des véhicules qui n'ont pas été enlevés et qui ont été même oubliés. Moindre accident, on abandonne. À quoi servent donc les mairies de ces différents arrondissements, de ces différentes communes, si elles n'ont pas d'engin, même à titre privé, pour enlever ces différents véhicules encombrant les voies et occasionnant très souvent des accidents? Comment comprendre qu'il n'existe pas, le long des toutes petites agglomérations, des parkings où on est censé, lorsque vous êtes en panne, vous remorquez, vous y amenez? Dans ces grands parkings, on pourra trouver des hôtels, des restaurants. Très souvent, on a des gens qui se retrouvent à avoir des accidents. Ils sont là abandonnés. Ils abandonnent le véhicule qui sera dépiécé par X ou par Y. Très étrange. L'axe lourd, Douala-Bafoussa, compte 108 véhicules abandonnés et diversifiés, partant des camions semi-remorques et j'en passe. Jusqu'à Bafang, vous prenez l'embranchement Banganté, vous prenez l'embranchement de Mbandia, vous allez retrouver des véhicules abandonnés, des camions couchés et qui obstruent littéralement les axes. Pourquoi le ministre Ngale Bibé n'a-t-il pas pris sur lui de mettre sur pied ce système pour libérer les axes lourds de ces différents véhicules abandonnés? Et ces véhicules se retrouvent généralement dans la petite broussaille. Parfois, c'est les herbes qui poussent, cachant aux différents véhicules arrivants qu'il y a un terrible obstacle. Parfois, lorsque vous cherchez à serrer, vous évitez un danger d'un gros porteur ou d'un dépassement en troisième position. Accident. C'est très étrange ce qu'on vit dans ce pays. Quel est le rôle donc des services de remorquage dans ce pays? Est-ce que ce type de véhicule existe-t-il même? Pourquoi y a-t-il trop de véhicules garés dans les rues, avenues et boulevards de ce pays? Ne parlons pas de Douala. Ceux qui mettent les cerveaux connaissent seulement mettre sur un genre de véhicule. Mais il y a plein de véhicules abandonnés. On ne remorque jamais, on ne met jamais les sabots, c'est là, occasionnant comme ils peuvent les accidents. Comment comprendre que les cas de véhicules en panne, garés le long des axes lourds, pendant des jours et des semaines, sont récurrents? On les retrouve partout, dans les virages, les axes lourds, les pistes, à des endroits où la visibilité est réduite, comme si le propriétaire du dit véhicule avait un contrat avec le diable. Comment comprendre ce système des herbes? Parfois, vous roulez, c'est les herbes qu'on jette le long de la rue, oui, système traditionnel pour signaler. Mais a-t-on besoin de cela dans un système qu'on dit modernisé? Comment comprendre que la prévention routière se bat plus à prévenir les poches, à conserver, à utiliser cette stratégie pour vider les poches qu'à prévenir? Parce que c'est aussi ça le rôle de la prévention routière, dégager ces carcasses de véhicules et en faire des accidents ou en panne le long de la rue. Très souvent, on les retrouve dans des angles isolés. Ces automobiles touchent la circulation, bouchent et causent de nombreux accidents. Lorsque vous allez à Yaoundé, il y a un virage extrêmement dangereux dont le nom m'échappe en ce moment après Ngoué. Vous allez vous retrouver là, qu'un camion ayant pris le virage, la petite montée, il meurt là, il s'arrête là. Point final, tant pis pour ceux qui viennent derrière. En journée encore, vous pouvez vous en sortir, mais la nuit, bonjour la catastrophe. On jette quelques touffes d'herbe et le tour est joué, pas de signalisation. Comment comprendre ou comment ne pas comprendre la crainte des parents qui s'inquiètent pour la vie de leurs enfants, qui doivent chaque jour traverser les routes pour pallier, faire le tour, on va le dire, de certains axes lourds, voyager? C'est parfois voyager avec la main sur le cœur. Un camion tombe en panne, il est garé pendant des jours, sans que la mairie ne fasse quoi que ce soit. Savez-vous que ces engins de la mort sont à l'origine de nombreux cas d'accidents? Imaginez donc un camion garé en plein virage. Ce sera là, la mort est véritablement totale. Comment comprendre ce silence radio observé dans les différentes municipalités? Rappelons-nous que tout un sous-préfet, je pense le sous-préfet de Figuil, était mort. Tout simplement parce qu'un camion, était tombé en panne et avait obstrué. Lui venait à la sortie d'un virage,
il est rentré à plein dedans. Ainsi va la République. Une collègue bien sûr de Charles Mbatu ce matin qui vient à point nommé, montrant d'ailleurs, on va dire, les derniers dégâts sur l'Arcelou Yaoundé Douala ce week-end, précisément samedi, à l'entrée précisément de la ville. Il y a eu encore cet accident là-bas pour reparler de ces engins garés en bordure de route et qui très souvent occasionnent des accidents en non plus fini. Je parle bien de l'Arcelou Yaoundé Douala. Voilà ce que j'ai vécu personnellement ce week-end, samedi justement. J'étais en chemin pour Yaoundé et j'ai vécu des accidents voilà, en ce chemin. En retour également, j'avoue que j'ai peut-être des petits soucis avec les lieux exactement. Il y a eu d'autres accidents et toujours occasionnés par des véhicules en bordure de route. Mais surtout des véhicules qui parfois tombent en panne, mais on ne trouve pas le moyen de remorquer. Vous avez très bien fait, Charles Mbatu, de préciser que les 16 éléments de signalisation, c'est des touffes d'herbe qu'on a mis en chemin. Il y en a qui ne comprennent peut-être pas ce que c'est que les touffes d'herbe. Deux véhicules sont tombés sur ces touffes d'herbe. C'est fini. Alors vraiment, c'est important d'en parler ce matin et surtout de chercher ensemble des voies de solution. Mais d'abord, de comprendre, fondamentalement, Isabelle Carrosse-Pêche, comment allez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut interpeller suffisamment les Camerounais à au mieux, présenter le danger lorsqu'il est devant soi, avec soit des véhicules abandonnés, soit des véhicules qui tombent en panne. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis? C'est difficile de savoir qu'on ne peut rien faire ou alors qu'on décide délibérément de rien faire. Parce que ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'on décide de ne rien faire. Mais le comble, c'est que les accidents ne font qu'augmenter de jour en jour. Que vous preniez cet axe encore Douala Yaoundé, que vous soyez en train de faire Douala Bafoussam, c'est le même spectacle, Michel Gatchou. Un spectacle écœurant. Des voix pour les... Quand on les emprunte régulièrement et quand on voit ce strict... triste spectacle, voilà, on se pose bien des questions parce que, en plus de ces voitures qui sont abandonnées, il faut noter ceci, Michel Gatchou, les herbes sont à une telle hauteur que vous avez d'abord vous-même de la peine à rouler. Oui. De deux, les voitures qui sont abandonnées, vous avez de la peine à les voir. Ça veut dire que si les routes étaient bien construites, si les routes étaient éclairées, au moins vous aurez la possibilité de savoir que devant vous, il y a un véhicule en panne qui est stationné. Mais vous avez ce véhicule qui est stationné, vous avez les herbes qu'il faut encore commencer à tout faire pour mieux avoir un regard sur la route, chose qui n'est pas évidente, conséquence des courses, vous rentrez là-dedans. Et avec ces routes tellement étroites, avec cet incivisme également qui s'y avait, vous avez des personnes qui roulent excessivement mal. Ça aussi, il faut le dire. Qu'à côté des accidents qui sont causés par le mauvais état des routes, ces voitures qui sont stationnées et abandonnées, il faut noter l'incivisme. Vous voyez des personnes qui doublent et vous vous posez pas mal de questions. Oui, je le dis, j'insiste vraiment, l'incivisme, c'est un réel problème sur nos routes. On roule très mal. Mais je dis, il faut au moins que l'État prenne sur soi de pouvoir prendre toutes les mesures drastiques possibles pour réduire ces accidents. Parce en enlevant ces carcasses. Bien sûr, en enlevant les carcasses. Parce qu'il faut le dire, quand vous garez mal, on a vite fait de venir vous mettre des sabots. Hein. Pour 5 minutes, 2 minutes que vous avez quitté votre véhicule, vous avez mal garé, qu'on est déjà venu vous mettre des sabots. Et on sait tous la procédure. Quand vous avez déjà ces sabots sur votre véhicule, comment il faut négocier, comment il faut monnayer, comment il faut donner de l'argent pour qu'on puisse enlever cela. Mais maintenant, vous avez un véhicule qui est abandonné là. Et c'est toujours bizarrement, je ne comprends pas, parce que dans les quartiers, c'est difficile de voir des véhicules qui sont en panne. C'est toujours à des carrefours, à des points stratégiques, que vous voyez toujours des véhicules qui soient en panne et tout ce qui va avec. Et on ne prend pas sur soi de pouvoir venir les retirer. Je crois que la sanction devrait être vraiment lourde à ce niveau. Que les gens aussi, avant de prendre la route, s'assurent d'avoir des véhicules qui tiennent. Parce que ça aussi, ça compte. Vous décidez de prendre la route, vous n'aimez pas aller vous rassurer de ce que vraiment la voiture est en état. Alors, pour pouvoir justement faire une telle distance. On sait quand même que sur les Arcelous, Isabelle Carole, comme Chalamel le dit très bien, on voit justement ces carcasses en permanence. Est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on les laisse pour rappeler aux uns aux autres qu'ici, il y a eu des morts? Non. Je dis n'importe quoi. Parce qu'on a le sentiment que... Parfois, c'est même dans la position où on a fait l'accident, on laisse. On laisse la dire, ici, il y a eu des morts. Ici, il y a eu l'accident. C'est quoi l'intérêt? Je crois que c'est plutôt mauvais, parce que quand vous voyez ça, vous voyez, parce que rien que l'état d'un véhicule traduit suffisamment le choc, ou alors ce qui a pu se produire, alors on peut tout de suite comprendre l'ampleur des dégâts.
ou encore des personnes qui se trouvaient à bord du véhicule au moment de l'accident. C'est des choses qu'on devrait aussitôt pouvoir enlever, Michel Ngachou. Oui. On devrait aussitôt pouvoir enlever parce que se retrouver avec autant de véhicules vraiment sur cet axe, qu'ils soient en panne, qu'ils soient vraiment garés là pour des accidents et tout, ne pas les enlever, c'est un problème. Mais à côté, vous avez des personnes qui sont tout de suite là, qu'on va vous arrêter parce que le radar montre que vous avez fait un excès de vitesse, vous avez dépassé ci ou ça. Là, on est prompte à vous arrêter, on est prompte à vous dire non, vous ne pouvez pas passer, on va déposer 30 000, 40 000, 50 000, n'importe combien, parce que vous avez enfreint à ça. Mais maintenant, pour ces véhicules, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la logique ou encore le dévouement devrait être le même. D'accord. Est-ce qu'on m'a dit justement ici, Dominique Audrey, que l'État, par le truchement du ministère du Transport, refuse de faire son travail et recherche simplement de l'argent sur nos arceaux routiers au Cameroun? En rapport avec la collecte, bien sûr. Faire de l'argent, je ne sais pas trop. Mais on parle de la prévention routière, on parle de la sécurité routière aujourd'hui. On sait combien de checkpoints on a sur nos arceaux routiers. On sait combien on a de barrages de police sur nos arceaux routiers au Cameroun. Mais précisément, en ce qui concerne ces carcasses abandonnées. Ce n'est pas du ressort de la prévention routière. Non, je parle bien du ministère du Transport, qui est d'ailleurs au-dessus de toutes les préventions routières au Cameroun. Il y a la direction de la prévention routière. Le ministère des Transports a le devoir et l'obligation de s'assurer que, effectivement, les routes ne soient pas obstruées. En mars de l'année 2020, par exemple, le ministre des Transports a énoncé qu'il y aurait des poursuites judiciaires à l'endroit des personnes qui avaient laissé leur carcasse et tout ça, abandonné leur véhicule et tout. Le seul reproche qu'on fera toujours à ce ministère, c'est que lorsqu'il a terminé avec les communications, les communiqués, rien n'est fait. Pourquoi on n'applique pas l'article 228 du Code pénal qui punit d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans et 500 000 d'amende pour les personnes qui, par obstruction justement de la voie publique, met en danger autrui qui peut avoir un accident? Pourquoi on n'applique pas cette loi? Le code pénal le prévoit. Pour en arriver là, il y a des enquêtes. Les enquêtes, vous enquêtez comment? Je dis... vous voulez enquêter sur quoi? Elle perd son latin ce matin. Ma voiture est mal garée à un tournant. Et un bus de transport arrive et il fait l'accident. Vous voulez qu'on enquête sur quoi? Le code pénal doit d'abord s'appliquer à moi. Oui. On doit m'appliquer parce que je n'ai pas respecté la loi. Je ne dois pas être l'occasion... d'un accident. Je ne dois pas être le moyen par lequel un accident arrive. Donc, je crois que si on punissait déjà les personnes qui sont responsables de cela, je crois qu'on réduirait considérablement les personnes qui agissent de cette façon. On va donc réinterroger encore la qualité des cours enseignés dans les auto-écoles et maintenant la responsabilité de ce ministère qui, visiblement, n'est pas sur le terrain, n'est pas en réalité sur le terrain. Ces voitures, quand on sort des axes routiers et qu'on revient dans les quartiers, sont des repères de bandits. Parce qu'à un certain moment, pendant la nuit, ils peuvent se cacher à l'intérieur ou bien derrière ces voitures et vous passez, quelqu'un peut vous sauter dessus, on peut vous violer, on peut vous agresser, on peut vous tuer. Ça va encore plus loin parce que même des enfants, le genre de quartier dans lequel on a grandi là, c'est que les enfants jouaient dans ces voitures-là. Non, vous seul. Vous avez grandi en Komkana, c'est le même quartier, les quartiers difficiles. Et dans ces quartiers-là, les enfants jouaient dans ce genre de voiture avec le risque de se blesser. Donc, ce ministère a une responsabilité énorme. Et je ne sais pas si on doit interpeller également les mairies qui doivent s'assurer de ce que ce genre de véhicules ne doivent pas rester. C'est le rôle des mairies d'enlever ces différentes carcasses. Mais attends, en même temps, le ministère donc sert à quoi? Parce que s'il y a prévention routière, il faut donc que la direction... Le rôle de la prévention routière, c'est de signaler qu'au point kilométrique 13, il y a un véhicule susceptible d'occasionner en bas pour la prévention des sécurités. Il faudrait dégager cette direction ne fait donc pas son travail. Disons-le simplement. Et ça peut un double Nicolas. C'est clair. Voilà. Allez, bon Bengan, on salue justement l'ingéniosité, hein, la transparence, la qualité de la gouvernance au Cameroun à travers ces réalités sur nos arceaux routiers au Cameroun. Vous dites que c'est bien, le Cameroun est beau. Non, c'est la faillite de l'État. Je dis trivialement. Hein, non, c'est la faillite de l'État. Il se trouve à deux niveaux. Il y a ce que vous appelez prévention routière. Moi, j'aime parler de la sécurité routière. Parce que dans sécurité routière, il y a
on prévoit l'autre versant. Inch'Allah Mel interpelle les collectivités territoriales décentralisées. Donc, l'État a failli en ceci que vous avez des axes lourds, là où on parlait de national. Vous voyez donc comment le langage, quand vous ne tenez pas le même langage, c'est tout à fait normal que vous ne parlez pas de même chose. Lorsqu'on parle d'une route nationale, on prévoit les aires de repos, on prévoit, comme Isabelle Caro l'a dit, l'élagage. La route est élaguée et on doit voir, la visibilité doit être bonne. Maintenant, le service de remorquage aussi. Donc, on prend les voitures, on les amène dans des services techniques des collectivités territoriales qui sont le long de cet axe routier. Donc, l'État met les moyens ou alors l'État sillonne par ces services spécialisés pour enlever. Parce que quand il y a accident, on vient faire la gendarmerie généralement ou les policiers qui sont là viennent faire le contact et on doit vite dégager la route. Maintenant, on les laisse où? La mairie la plus proche, de toutes les manières, le tronçon où il y a eu accident, répond à une mairie. Mais maintenant, la mairie n'a pas vocation à entretenir les routes nationales. Donc là, l'État central met donc à côté des services de la voirie de la mairie, ces états-là, ou à la gendarmerie, ou à la police, une brigade de gendarmerie ou commissariat de police le plus proche, les met là. Donc c'est la faillite de l'État. Donc c'est pour cette raison que c'est difficile, c'est dangereux même de vivre au Cameroun. Donc le Cameroun est un pays dur. De quelque côté que vous prenez, vous allez vous rendre compte que c'est un pays dur. Mais il faut quand même nous rappeler qu'aujourd'hui, il est peut-être difficile en termes de chiffres de dire exactement quels sont les taux d'accidents qu'on a sur nos axes routiers, si vous voulez, sur nos nationales, dû justement à l'abandon de ces carcasses. Parce que justement, on ne veut pas rester dans la sécurité routière. On est dans la prévention. Et la prévention, vous l'avez dit, et c'est le ministre Bokam qui nous avait révélé ça, je pense. Ça devait être en 2016 ou 2017. Il dit, la prévention routière nous a rapporté 2 milliards et demi. J'ai dit, mais attends, monsieur le ministre, c'est ce qu'on vous a envoyé chercher dans la route. Donc vous avez créé des postes de péage au lieu d'éviter les accidents. Dites-nous le nombre d'accidents par an et comment on peut les éviter. Donc le fait de mettre ici 3 morts, ici 11 morts, c'est une interpellation qu'on devait utiliser justement pour être dans ce volet de la sécurité routière. Mais ils ne le font pas, c'est la faillite de l'État. C'est bien sûr la fin de l'État, nous dit Mbombo Bendiane Kandje ce matin. Merci à vous pour ces nombreuses interventions, madame, monsieur. Une question avant la pause. Qui sont ceux des ministres aujourd'hui au Cameroun qui sont interdits de sortie du territoire camerounais et dont les passeports seraient retirés dans les heures qui suivent? Comment comprendre en même temps ce qu'on pourrait qualifier de nouvelle distraction au Cameroun alors que l'affaire Covid-Gate n'a toujours pas rendu son tablier? Aucun rapport n'a été mis à disposition des Camerounais. Les questions sont évidentes et méritent d'être posées. Restez sur 10-12. Zénith. Vous êtes encore les bienvenus, mesdames et messieurs, sur notre antenne. Encore, oui, on le dira avec 10-12, le Zénith. Et une question a été posée avant la pause. Qui sont ces ministres au Cameroun dont l'interdiction leur est signifiée à sortie du Cameroun? Parce qu'en réalité, on le sait, beaucoup ont plongé la main dans l'affaire concernant le budget lié à la gestion du Covid-19 au Cameroun. Eh bien, il est important de rappeler qu'on aurait dit à ceci, si vous voulez sortir du Cameroun, prouvez nouveau que vous êtes très malade et que ce soit avéré. Sinon, vous resterez avec nous ici. C'est important. Alors, je me posais une question quand même en lisant l'actualité très tard dans la nuit, quand j'ai cette information. Est-ce qu'au final, ce n'est pas une nouvelle distraction pour les Camerounais? Alors qu'on sait en même temps que les rapports à la fois du MINFI, le rapport fait problème jusqu'à présent parce qu'on a le sentiment que, pas le sentiment, il est prouvé que les chiffres évoqués là-bas ne sont pas les chiffres exacts. Oui. Deuxième élément, on n'a toujours pas le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. On devait l'avoir, les soi-disant députés ne l'ont pas eu. Au final, le peuple camerounais n'en sait rien. Je suis content parce que là, le ministre
de la santé, ça, on l'amène dans ce conflit. Parce qu'il a fait, effectivement, s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs qui venaient du côté du ministère des Finances. On a fait un rectificatif et c'est bien. J'aime bien ce genre de choses. Mais il faut quand même dire qu'il y avait 10 milliards et plus qui se baladaient comme ça. Mmh. Et là, il a fallu justement qu'il y ait cette sortie du ministre de la Santé, Manoda Malachi, pour qu'en fait, le MINFI se rend compte quand même qu'il y avait 10 milliards entre autres qui se baladaient. Et tout de suite, on était bien parti pour dire que c'est Manaouda qui a détourné les 10 milliards de francs CFA. Et c'est important. Je suis content. Tout à fait. Et signaler à la suite de Charles Hamel que laissez-nous les gueules des réseaux. Voilà. Apparemment, il y a des réseaux qui n'aiment pas Manaouda. Nous ne sommes plus à ce niveau. Quand vous êtes dans une république, chacun a son portefeuille qu'il doit défendre. Et Manaouda avait dit... Il n'est pas dans la gestion opérationnelle, il est dans la gestion stratégique de ce projet-là. Et deuxième chose, je termine par là, on ne lui remet pas l'argent pour aller citer. Le ministère des Finances dit, vous avez à la disposition du trésor public 1000 milliards. Et quand il fait donc les commandes, c'est dans les guichets des services du ministère des Finances qu'on vient présenter les factures et être payé. Donc ce n'est pas lui, le ministre, qui tient de l'argent. Justement, et c'est là comme ça qu'on trompe le peuple. Non, il peut avoir passé les marchés à ses frères et sœurs, disons-le comme ça. Maintenant, même ses frères et sœurs, quand c'est le ministère des Finances. Donc en fait, tous ces justificatifs, ces factures, c'est dans les guichets des services du ministère en charge des Finances. Mmh. Il ne fait pas ça à part et venir. Maintenant, ce que le ministère de la Santé reste avec, c'est les livres. On a passé le marché de gel ceci, on a passé le marché de cure-dent, on a passé le marché de ceci. Ça reste dans ses livres en sachant les dépenses. Parce que quand il va réclamer, il va développer pour le budget de l'année suivante, il doit être à mesure de donner les dépenses qu'il a effectuées au cours de l'exercice. Mais tous les justificatifs sont dans les services du ministère des Finances. Bon, et c'est pour ça qu'on les paye. Vous touchez du doigt, vous allez vous appuyer sur l'affaire. On parle bien sûr des réseaux. Non, parce que vous vivez nous embrouiller, comme vous avez dit. Le Cameroun des réseaux. Voilà, tu nous dis, mais allez arrêter Manaouda. Oui, alors que c'est lui le problème. Il a donc payé les factures de Manaouda comment? Voilà. Sur la base de quoi? Il demande de donner moi. C'est justement cette transparence qui est recherchée dans la gouvernance au Cameroun qu'on ne retrouve pas. Si chaque ministre pouvait au moins se justifier. Moi, je pose encore la question, Charles Amenbatou, vous avez Carole de Micoté. Permettez, on a des ministères, notamment celui du tourisme. Je prends que ce ministère, simplement, ou encore de l'agriculture. Non, là-bas, c'est une récompense qu'on a donnée à son frère. À qui? Bello Bouba. Non, s'il a reçu l'argent des fonds Covid-19, et que Bello Bouba ait choisi délibérément de ne pas dire aux Camerounais et comment il a géré l'argent dans son ministère, mais c'est un problème Michel, quand même pour le Cameroun. Je veux vous prendre un exemple assez simple pour que vous compreniez. Lorsque le ministre de l'Eau et de l'Énergie passe devant les membres, les parlementaires, de notre Assemblée nationale, monsieur Michel Gattou, il y a un problème qui se pose, c'est les 1 milliard de francs, la question des 1 milliard de francs CFA qui devrait être versé à Eneo pour alimenter la contribution de l'État, la subvention de l'État pour l'achat du carburant pour les différentes centrales thermiques. Le ministre de l'Eau et l'Énergie dit qu'il n'est pas au courant. On dit, mais comment vous n'êtes pas au courant? Parce que Eneo se plaint de ci, de ça et tout. Ça, c'est une histoire qu'on peut vérifier. Mais monsieur Michel Gattou, à la fin, lorsqu'il rentre et discute avec ses services compétents, on lui fait comprendre que c'est le ministère des Finances qui paye directement cet argent à Eneo. À Eneo. Sans passer. Or, l'instruction du président de la République demandait à ce que ce soit le ministère de l'Eau et de l'Énergie qui règle cela. Or, c'est le ministère des Finances qui paye directement. Mais vous parlez, Permettez-moi. Lorsqu'on va dans à fond, le ministre de l'Eau va à fond, il se rend compte que cet argent n'est même pas payé. C'est chaque semaine qu'on devrait verser 1 milliard. Mais cet argent n'est même pas versé comme cela se devait. Et c'est là où il y a eu cette sortie de Néo. Donc, pour vous faire comprendre qu'il y a des dits et des non-dits, des choses qui se font. Le ministre de l'Eau était surpris de se rendre compte. Mais ça devait quand même passer par mes services, qu'on ait au moins en termes de traçabilité. Pourquoi vous faites le paiement direct, sortant de vos caisses directement pour la structure Néo, sans que nous n'ayons même pas une souche? Non, c'est pour revenir à ce que Mbombok disait, que vraiment, dans ce gouvernement, voyez, chacun a sa part. Chacun sort avec sa qualité. Et dit en même temps. Manaouda, hein, vraiment, il a fort à faire.
Et il faudrait qu'il reste comme ça. Il y en a qui nous font savoir aujourd'hui qu'il y a quand même, dans les pontes du régime, l'un d'entre eux qui se frotte les mains maintenant, et on voit la guerre qui se livre entre le MINFI et le MINSANTÉ, qui serait bien sûr ce qu'on a qualifié comme ses ennemis justement à lui, parce qu'en fait, il y a une volonté des uns et des autres de s'accaparer du pouvoir à la fin, parce que tout est imminent. Alors, on va prendre les messages à la même Bachou. Le temps de lire les téléspectateurs, de prendre leur point de vue sur les sujets évoqué jusqu'à ce matin, jusqu'au moment où nous sommes bien sûr en ligne. Qu'est-ce qu'ils nous disent, Isabelle, Carole, Zopet, nos téléspectateurs? D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Comment une dame peut causer une bêtise pareille? Je pense que son monsieur a très bien réagi. On se rappelle de l'histoire où monsieur n'avait pas supporté que la dame ait mangé le spaghetti des enfants et avait coupé son pied. Donc, bravo Alexei. Autre réaction. Sur l'axe Douala et Déa, à 45 km entre Razel, un trou de plus de 50 cm de profondeur a causé l'accident vendredi dernier, poste de la prévention départementale. C'est Noubissi qui envoie la réaction. Semaine dernière, c'était à la descente, avant Banga, il y a un véhicule, les véhicules automatiques, vous savez que les véhicules automatiques, lorsqu'ils tombent en bas, on ne pousse pas, on ne peut pas bouger, c'est mort là. Ce qui venait derrière, il n'a pas eu le temps de signaler. Il n'y avait même pas de panneau de signalisation dans son véhicule, le triangle de signalisation. Tous ceux qui venaient, lui, sont rentrés dedans. Donc, imaginez. Dans la vie de couple, personne n'a le droit de dépenser l'argent des économies sans le consentement de l'autre. C'est Jacques qui envoie la réaction. Bonjour sur le plateau. Concernant l'histoire du jour, je dirais que la femme a fauté en utilisant l'argent de son mari sans son consentement, surtout sans savoir les projets qu'ils avaient pour ses fonds. Mais là, mettre à la porte pour cela, je pense que c'est un peu dur. Il devrait la ramener à la maison et lui faire entendre qu'elle ne devrait plus refaire pareille chose. Je pense qu'elle comprendra. On parle quand même de 25 ans de mariage. Charles Amel a fini avec mes côtes ce matin. Vital depuis Yaoundé. Comme Bombok disait sur ce plateau qu'il enferme sa femme dans la chambre, il lui donne 5 coups aux fesses. Vous étiez les premiers à vous plaindre. Oh, c'est... Oui, on se plaint. La douceur. Tu vas d'abord chez tes parents, tu réfléchis sur l'acte que tu as posé. Oui. Après 25 ans de mariage. Oui. Bonjour le plateau, merci pour le travail que vous faites et surtout me faire comprendre le Cameroun pour l'histoire. Je suis d'accord avec les hommes du plateau que cette femme vienne présenter ses excuses à son mari et le reste suffira pour la colère. Le Cameroun me fait honte, chapeau à vous le Zénith, la douce depuis village qui envoie la réaction. Pour l'histoire du jour, que le monsieur supporte sa femme et lui dit qu'elle aura pour 2 ans diminution de ration, etc., car il doit combler ce trou et non employer les méthodes lâches comme la chasser ou se jeter dans les bras d'une autre deuxième femme parce qu'il a eu un problème avec la première. C'est un homme lâche, incapable de résoudre un problème. Ce lâche encouragerait donc le divorce ou l'adultère à son fils s'il est monogame ou qu'on chasse sa fille. Wilfried Ebolova. Le monsieur n'est même pas polygame. Où est la lâcheté il n'est même pas polygame. Merci, Wilfried. Il y a trop de femmes d'ailleurs pour qu'on signe monogamie. Il y a trop de femmes, trop de femmes pour qu'on signe monogamie. Quand on veut faire une surprise à son mari ou à sa femme, on prend de l'argent de sa propre poche. Cette femme mérite plus que ça parce qu'elle a volé. Joseph, ah bon, c'est du vol? Les hommes pleurent l'argent. Non, on ne vole pas l'argent de son mari. Voilà. On l'utilise abusivement, comme elle a utilisé abusivement. Quelle est la punition? Abusive. Je sais pas la... Oui, soit vous l'amenez dans la chambre. Non. Vous lui donnez des coups aux fesses et elle sort en souriant. Non. Dans la chambre. Ou alors vous faites, elle part d'abord vivre la honte. C'est sa maman. Si elle veut reprendre le mariage, elle vient supplier. C'est comme ça que ça se fait. À ce moment, elle ne rembourse plus parce que, en fait, c'est son argent qu'elle a mal utilisé. Si c'était 1 million. Il faut donc une. Il doit faire quoi? La même chose. Elle doit d'abord avoir s'habiller de honte. On voit l'humilité. Elle vient, chérie. S'il te plaît, je croyais, j'avais. Bon, là, il peut inventer un mensonge habillé là. Bonjour, le panel du 10-12. Cette femme est insoumise dans son foyer car elle n'est pas digne de confiance. Alors elle doit demander pardon à son mari d'avoir utilisé l'argent sans son consentement. Cette femme ne pourrait garder aucun secret comme elle a fait avec l'argent de son mari. Alors c'est une femme qui est sans confiance.
Autre message, cette femme mérite d'être répudiée par son mari parce qu'elle est insoumise, elle n'est pas digne de confiance. Par rapport à la colère, l'artiste avait chanté « La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons de nombreuses maladresses au volant de nos voitures ». Voilà, Serge Bertrand depuis Yaoundé Coaban qui envoie la réaction. Salut le plateau, vraiment c'est grave avec le Cameroun. À côté des véhicules accidentés, il y a certains ratés sociaux qui ne cessent à mettre en mal la population. C'est le cas d'un commandant de brigade et tout et tout. Donc, on va pas. Quand vous parcourez la route avant Bafang, il y a des bus, des agences de voyage qui sont tombés en panne, dont on a même enlevé les moteurs. C'est là, abandonné sur le bord de la route. Hein. Ouais. Je crois que le ministre de la Santé, le ministre des Transports, peut faire des sommations à ces agences de voyage. Allez enlever. Vous allez vous rendre compte qu'au petit virage, M. Michel Ngatchou, avant Fodjomoko, au petit virage, il y a un véhicule, je ne sais plus si cette agence fonctionne même, Pacifique, et un véhicule qui est littéralement abandonné. Je dis, à ce compte-là, avant Fodjomoko, au virage, c'est abandonné là le long du train. Il y a plein de véhicules, des agences de voyage. Lorsqu'ils attendent en panne, ils oublient, M. Michel, ils abandonnent. Il faut la répression. On peut sommer les différentes entreprises, les agences de voyage. Oui. Allez dégager ces bus. Vous avez des IAS. Celui-là, c'est le délai à M. Michel Ngatchou. Des petites IAS qui font le transport. Lorsqu'il y a un accident, non, on abandonne ça. Tant pis, on s'en fout. On ne vient pas enlever. Celui qui vient pour défaut de visibilité, il rentre dedans. Et le tour est joué parfois. Vous avez même. Et puis, je vais vous dire, M. Michel Ngatchou, vous avez les agents de la prévention routière, les gendarmes qui se cachent derrière et qui mettent leur radar pour vous flasher. Ça sert parfois ces gendarmes, M. Michel Ngatchou. Ils se cachent derrière pour pouvoir vous flasher. Mais non, on n'a pas besoin de se servir de ça. Que les communes qui ont des financements, qui reçoivent des financements de l'État, utilisent ces financements à bon escient pour enlever, dégager, aller créer un parking. Dans un parking, M. Michel Ngatchou, vous tombez en panne, vous appelez le service de la mairie, de la zone concernée, on vient vous remorquer, on vous amène dans cet air, il y a un motel pour ceux qui tombent en panne la nuit, vous pouvez dormir, il y a un restaurant, vous pouvez manger, il y a un lieu de distraction, il y aura des mécaniciens. Ça va donner de l'emploi à beaucoup de gens, M. Michel Ngatchou. Au Cameroun. Des tauliers. Au Cameroun. Merci beaucoup Chalamet, merci Isabelle Carole, merci à vous mesdames et messieurs pour vos nombreuses réactions. Une question quand même est à se poser ce matin et ça fait bien sûr parler plus d'un Camerounais depuis hier soir. C'est Mediapart qui a décidé en même temps de faire parler le Cameroun. Et il y a Edwy Plenet sur son compte Twitter qui dit « Le Cameroun est l'un des pays les plus corrompus du monde selon plusieurs classements internationaux. Racket, pot de vin, détournement de fonds publics se retrouvent dans tous les secteurs. Début d'une série de Pigot, voilà, sur Mediapart. » Donc, Fanny Pigeot. Fanny Pigeot. Elle a commencé Fanny avec Pigeot. Une série. Y a pas, on se rappelait Fanny Pigeot. Oui. On sait là la suite. Oui. D'ailleurs, on s'en souvient pas. Fanny Pigeot qui non, non, elle avait déjà fait des articles sur le Cameroun. Elle avait un ouvrage sur le Cameroun. Maintenant, c'est toute une série qu'ils veulent faire, Mediapart. Alors, Bomon Bengan, analyse froide ce matin. Le Cameroun, finalement, est un pays où il ne fait pas beau vivre aujourd'hui. Et lorsque Fanny Pigeot, dans cette réaction sur son compte Twitter, le dit, on devait avoir très peur et montrer justement le vrai visage du renouveau au Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun est un pays qui sécrète et entretient la corruption. Le Cameroun est un pays qui ne vit que par la corruption. Je vous dirais même que c'est systémique. Depuis 60, c'est comme ça que ça a été bâti. Dans les budgets de l'État, il était même dit à certains endroits que le gestionnaire de crédit pouvait retenir jusqu'à 5 ou 10 % pouvait bénéficier de 5 à 10 % de l'argent qu'on lui avait donné s'il n'avait pas exécuté, du moins du restant de l'argent qu'on lui avait donné comme dotation. Et il se trouvait donc que les gens n'exécutaient pas les missions pour lesquelles on avait décaissé de l'argent. Oui. Et on pouvait vous donner 1 milliard, vous exécutez pour 300 millions, reste 700 millions. Dans les 700 millions, vous prenez votre 10%. Puisque c'était resté au niveau des gestionnaires de crédit, les collaborateurs beaucoup plus bas, de palier plus bas, prenaient donc 10%. Les expressions du genre, c'est ça qu'on mange. Vous venez vous saluer quelqu'un, c'est ça qu'on mange. Les expressions du genre, je vais suivre le dossier. Donc, voilà comment on est englué dans les corruptions, malheureusement, qui bloquent
tout le processus. Donc, deux fois champion du monde de corruption 1998-1999. Donc, ce n'est pas de but en blanc qu'on peut sortir de là. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, je termine par là, que c'est difficile d'appliquer l'article 66 où il est dit que tout gestionnaire, que dit tous ceux qui sont des parlementaires, des élus, doivent déclarer leurs biens à l'entrée et à la fin de la fonction. Alors, lorsque Fanny le dit aujourd'hui, elle qui est journaliste par ailleurs, elle a mené des enquêtes, auteur des ouvrages portés sur le Cameroun, n'est-ce pas vrai que le renouveau a écorché littéralement l'image du Cameroun avec une corruption qui est devenue endémique aujourd'hui? Tout à fait. Et ça vient même de l'entrepreneur en chef. Il a dit à Eric Tindier qu'il lui parlait des affaires de détournement à Fogap. Détournement. Il dit qu'il n'avait pas de preuves. Bon, comment un chef de l'État, vous le journaliste, vous constatez, vous lui dites, il vous dit qu'il n'a pas de preuves. Or, c'est à lui que sont adressés tous les rapports. Que ce soit la préfectorale, des renseignements généraux, des services de ces institutions spécialisées en matière d'argent, donc banque, assurance et tout. Mais il vous dit qu'il n'a pas de preuves. Ça veut dire qu'en fait, c'était une erreur pour Idiot de lui faire confiance, mon Mengal. Oui, tout à fait. Tout le monde le sait. Et on l'a d'ailleurs dit. Tout le monde le sait. Mais comme les gens disent que c'est Idiot parce qu'ils estiment que le Cameroun est un pays souverain, le Cameroun n'est pas souverain. C'est la France, c'était le choix de la France de l'imposer, c'est le choix de la France. Donc, Aïdjo avait tenté par des manœuvres pour ne pas lui donner le pouvoir. On lui a dit, cher ami, c'est lui ou rien. Alors, en 40 ans, il a pérennisé, il a valorisé, il a donné plus de, on va dire, de consistance au comptoir colonial camerounais. Tout à fait, mais surtout en détruisant même tout ce que son prédécesseur lui a donné comme héritage. C'est plutôt ça. Et en nous amenant encore beaucoup plus dans le gouffre, c'est-à-dire quand tu as l'école et la santé. On pouvait encore tolérer que les crises économiques peuvent nous amener ci ou ça, mais parallèlement, on forme des citoyens et on les maintient. Mais ici, les Camerounais ne sont pas bien formés. Ceux qui sont bien formés, ils sont allés ailleurs et on leur interdit de venir investir au Cameroun. Sur le plan de la santé, on ne peut pas. Donc quand vous tenez un État, vous amenez un État dans ce gouffre-là, vous n'espérez rien. Donc je plains qu'après lui, ce ne soit le déluge. On attend bien sûr cette série de Fanny Pigeot annoncée sur Twitter, et notamment sur la corruption, et les pots de vin et tout ce qui va avec au Cameroun. À quand la fin, mesdames et messieurs? IUC, un pôle d'excellence en Afrique. Oh, voilà. Belle surprise, belle entrée, bien évidemment. Vous l'avez constaté, nous sommes avec nos amis de l'Institut universitaire de la Côte. Ils sont bien sûr sur le plateau ce matin. Monsieur Happy Coran, j'espère que c'est bien prononcé, c'est ça? Très bien prononcé. Bonjour à vous, monsieur Happy. Bonjour, bonjour à vous et bonjour également à vos téléspectateurs. À vos côtés également, on a monsieur Kamdem Gislain de la division communication à l'UIC, l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour à vous, monsieur Kamdem Gislain. Bonjour, monsieur Ngachou. Bonjour aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Allez, je commence avec vous, monsieur Happy. Dites-nous, l'UIC est devenu aujourd'hui un véritable pôle d'excellence en matière de formation académique et professionnelle en Afrique. Pouvez-vous nous dire un peu plus là-dessus ce matin? Exactement, tu fais très bien de le rappeler, l'IUC, dans l'Institut universitaire de la Côte, c'est cet établissement d'enseignement supérieur aujourd'hui que l'on ne présente plus, dans l'occasion pour nous de rappeler également que l'IUC, c'est pratiquement 5 grandes écoles également aujourd'hui, dont chaque école évolue en matière de faculté et chaque faculté une spécialisation. Alors l'IUC est réputé dans des formations techniques et industrielles à travers justement son pôle technique et industriel que nous avons appelé ISTDI. Donc aujourd'hui tout le monde connaît ISTDI, mais on retient justement que ISTDI, c'est l'Institut universitaire de la Côte. En plus justement des formations techniques et industrielles, nous avons des formations de commerce et de gestion à travers son pôle justement ICIA. On a également les formations dans le domaine de l'ingénierie à travers les classes préparatoires. Alors permettez-moi justement de revenir très simplement sur ce qu'on va appeler justement les classes prépa. C'est un programme vraiment dédié à ceux-là qui ont un baccalauréat scientifique et même parfois des baccalauréats littéraires et qui sont passionnés par tout ce qui concerne la technologie, par ce qui concerne l'aviation, par ce qui concerne également l'ingénierie biomédicale, l'informatique et bien d'autres. Donc l'IUC, à travers ses partenaires sur le plan national et international, vous offre la possibilité, après 2 ou 3 années, d'aller vous perfectionner dans l'optique
de revenir naturellement servir le pays. L'IUC également, c'est un pôle purement anglo-saxon, oui, parce que le Cameroun est un bilingue. L'IUC également est parfaitement bilingue, elle travaille justement l'école appelée CIS, donc School of Engineering and Applied Sciences, en ce qui concerne justement les BN, c'est-à-dire Bachelor of Engineering. Vous comprenez que le programme anglo-saxon, il y a également le domaine de l'ingénierie, le domaine de commerce et gestion et dans tout autre secteur. Donc c'est justement ce tout qui fait de l'IUC depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui le pôle d'excellence en Afrique. Et ce qui témoigne également, c'est brillants résultats, tant sur le plan des formations cycle BTS que dans tous les autres domaines qui puissent exister en ce qui concerne l'ingénierie. C'est important d'en parler, mais justement, des programmes à l'ère de la digitalisation aujourd'hui. On parle aussi de l'ouverture des spécialités en ligne. De quoi s'agit-il concrètement, M. Appy? Exactement, toujours dans l'esprit de la continuité, toujours dans l'optique de répondre favorablement aux besoins des entreprises, parce que oui, l'IUC existe parce que nous répondons continuellement aux besoins des entreprises. Depuis quelques années déjà, l'IUC a mis un accent particulier sur les formations à distance ou alors en ligne. Alors nous avons lancé récemment un autre programme, un prestigieux programme que nous appelons les bachelors et les masters online. On n'oublie pas certainement les executive programmes dont M. Kamdem ici présent aura l'occasion d'y revenir en quelques minutes. Donc je veux particulièrement vous parler justement de ces bachelors et master en ligne. Il s'agit justement des programmes destinés à tous ceux qui sont titulaires d'un bac plus 2, d'un bac plus 3, d'un bac plus 4 et qui malheureusement, du fait de leur occupation, n'ont pas toujours du temps. Alors on vous donne la possibilité désormais, ça c'est possible à l'IUC, rien qu'à l'IUC, de faire des cours orientés vers le génie informatique dans des programmes tels que génie logiciel, les cybersécurités, les systèmes embarqués, les réseaux et bien d'autres. Bref, c'est tout le génie informatique. Voilà. Voilà. On va également le dire avec vous, M. Kamdem, outre l'informatique, l'UIC offre également, on va dire, des programmes destinés aux responsables d'entreprise. Il s'agit de quoi, M. Kamdem? Il s'agit d'un ensemble de programmes que nous appelons les Executive Programs, qui s'adressent spécifiquement aux professionnels, aux managers, aux leaders, aux médecins, aux hommes d'affaires qui ont envie de donner une nouvelle dimension à leur carrière, qui ont envie d'embrasser de nouveaux marchés, qui ont envie de valoriser leurs compétences. En fait, il s'agit de trois programmes dont je vais parler ce matin très rapidement. Le premier, c'est le Executive Certification in Global Management. C'est un diplôme qui s'adresse, on va dire, à des gens qui n'ont pas eu la chance de faire des études supérieures, c'est-à-dire qui ont au minimum un probatoire et qui jouissent de nombreuses années d'expérience. À travers ce programme, ils peuvent obtenir une validation des acquis de leur expérience et au bout de 9 mois de formation, ils obtiendront un diplôme de bachelor en administration des affaires délivré par ISTEC de Paris. Ça, c'est le premier programme. Le deuxième programme, c'est le Executive MBA en Global Management. C'est un diplôme, comme je l'indiquais à l'entrée, qui s'adresse aux dirigeants d'entreprises. Voilà. J'ai envie de dire des dirigeants de grandes entreprises. Et le dernier programme, c'est le MBA en Global Entrepreneurship. Là également, c'est un diplôme de MBMA avec 4 spécialisations. On va sortir bien sûr pour la prochaine rentrée académique. Quelles sont les grandes dates et les contacts utiles, M. Kamdem? Alors naturellement... M. Appy cette fois-ci. Voilà, à ce qui concerne justement les grandes dates, l'occasion d'abord de rappeler que le programme de Executive Certification, c'est un programme de 9 mois et les autres un programme de 24 mois par là. Alors nous rappelons justement qu'à l'IUC, les grandes dates à retenir, naturellement, on se donne rendez-vous au mois d'octobre prochain, principalement le 15 octobre, pour la date de rentrée de ces cours en ligne, c'est-à-dire les cours en génie informatique et également les cours d'Executive Programme. On n'oublie pas également que les prochains tests d'entrée à l'IUC sont fixés pour le 14 août et le 28 août également sur tout le territoire national. Peut-être l'occasion de rappeler également que l'IUC a mis le paquet à travers ces différents programmes avec les intervenants dans des plus grands pays du monde, notamment les États-Unis, la France et même ici au Cameroun, parce que justement il y a des compétences. C'est un plaisir d'être à vos côtés, M. Appy Koran et M. Kamdem Islam de la division de communication à l'IUC. Merci d'être passé chez nous ce matin et à très bientôt. IUC, un pôle d'excellence en Afrique. Nos amis de l'UIC, retour sur le plateau avec la famille, Charles Lamel, Bamborg, Isabelle Carole, Dominique Audreuil, Engelec, ensemble unis pour la belle et la même mission de chaque matin. Jusqu'à 12h, madame, monsieur, restez les nôtres, vous serez toujours servis. Mais surtout, le regard que chaque Camerounais porte sur son pays aujourd'hui et l'attention qu'il devrait s'y faire pour les uns et les autres, on a le devoir justement d'en parler. C'est une mission qui nous est assignée. Et nous tentons tant bien que mal de l'amener avec vous et pour vous uniquement. La revue des réseaux sociaux avec Aaron Zoupette.
La revue des réseaux sociaux, on va donc parler de cette image qui a fait le tour, mais alors le tour de la toile, une image qui a fait même couler les larmes à plus d'un, où on voyait donc cette jeune Camerounaise, qui était tout en bande, qui voulait à tout prix rejoindre l'Eldorado, qui voulait à tout prix se retrouver hein, vers de l'autre côté pour de meilleures conditions. Oui, c'est largement... Ce qu'elle qualifie comme Eldorado. Oui, ce qu'elle qualifie, je dis, meilleures conditions, comme ces personnes justement tendent à le dire. Et on l'a vu sur la vidéo, agonisante, malheureusement, elle a donc décédé justement durant cette traversée du désert. Les images, on l'a vu, on a pu la voir étant agonisante. Ses compagnons de chemin qui ont fait la vidéo justement pour pouvoir, à travers les réseaux sociaux, retrouver ou encore interpeller la famille de la fille en question pour justement faire part de son état de santé qui se dégradait. Malheureusement, elle est décédée. Ses compagnons n'ont rien pu faire d'autre que de pouvoir l'enterrer justement dans cette partie. Et que la télévision a pu retrouver la famille de la victime. On a pu voir ses deux enfants, l'un le dernier âgé de 5 ans et l'autre âgé d'un peu plus de 16 ans. Voilà. Et justement, il faut dire qu'elle avait un destin plutôt ou encore une petite activité qui était plutôt envieuse parce que de là à être bien évidemment coiffeuse et de ce côté de la cité des palmiers et se retrouver aujourd'hui en train de prendre la route et de décéder dans de telles conditions, on se pose bien de questions. Et ça fait bien évidemment, on parlait plus d'un sur les réseaux sociaux, Dominique Audrey, ce décès, cette mort tragique de cette Camerounaise, là, remet quand même, on va dire, le compteur à zéro sur les réalités qui entourent aujourd'hui les volontés des uns des autres à partir, à quitter, à aller, coûte que vaille, à tout prix et à tous les prix, qu'importe, je vais dire, les méthodes risques. Et les risques en même temps qui vont avec. Vous avez semblé avoir eu un problème avec Eldorado, mais un pays dans lequel on ne peut pas se soigner aisément, où les enfants meurent parce qu'il n'y a pas de couveuse, où on boit dans des flaques d'eau, où on apprend, ou bien où on... comment on dit le mot pour dire qu'on va à l'école là? Bon, je veux dire que lorsqu'on étudie étant assis sur les parpaings ou à même le sol dans un établissement en terre battue sans toiture, forcément le pays des autres sera l'Eldorado parce que par rapport à ce qu'on voit de l'autre côté, là-bas au moins, il y a le minimum vital qui est mis en place pour que les humains puissent avoir les commodités. Dans cette femme, malheureusement, elle n'est pas la première. Je ne crois pas, on ne devrait pas faire une fixette sur elle parce que d'autres meurent certainement un peu plus tragiquement. Elle, au moins, elle a eu certainement la chance d'avoir ces gens qui ont pris la peine d'informer quand même sa famille. Si vous avez vu le reportage, sa mère est inconsolable. Son fils, le garçon, essaye de garder le moral. C'est un homme, mais sa mère ne sait même pas où donner de la tête parce qu'elle n'en était pas à sa première tentative à expliquer son fils. Elle a essayé à plusieurs reprises et malheureusement, mal lui en a pris cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Malheureusement, tous les jours, on compte les morts, mais tous les jours, il y a des gens qui veulent aller. Il y a quelques jours encore, il y a un jeune homme qui m'écrivait en me disant qu'il a 50 000, il veut partir. Je lui ai dit que moi, je ne sais pas trop comment on fait. Avec 50 000, vous pouvez développer une activité. Avec 50 000, vous pouvez développer une activité qui va vous faire au moins manger 1 000 francs par jour. C'est possible. Parce qu'à un moment, on est dans une république où les citoyens ont perdu la totale confiance qu'elle avait envers le gouvernement. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous devez vous autodéterminer. Pensez à vous sauver vous-même. Cherchez votre argent pour vous soigner. Si vous avez la possibilité d'aller à l'étranger vous faire soigner, allez vous faire soigner. Si vous avez la possibilité d'instruire vos enfants en ligne dans d'autres pays, faites-le. Mais ne partez pas, du moins pas de cette façon. Combien ça coûte de prendre la voie normale pour aller à l'étranger? Non seulement ça coûte ça coûte très cher en même temps prendre la voie normale pour se rendre à l'étranger aujourd'hui avec toutes les restrictions mises en place. Mais il y a quand même une question à se poser. Elle a donné 1 000 000 pour un faux, on lui a fait un faux passeport. Oui, elle vous dira justement, vous savez, pour sortir du pays, si vous voulez y aller en tant qu'immigré, vous connaissez bien la réalité. On vous dira, il faut avoir un compte bancaire fourni à tel montant, il faut justifier ce que vous irez faire là-bas, il faut déconcer exactement quelle sera la durée de temps qu'on fera en Europe. Mais moi, je veux revenir sur un fait bon, Bengal. Honnêtement, cette histoire est passée et ça fait le tour des réseaux sociaux. On n'a pas entendu, je dis, mais on n'a même pas entendu le gouvernement camerounais se lever pour appeler au Cameroun en leur disant, bah, écoutez, chers frères camerounais, c'est vrai, nous sommes tous conscients que c'est difficile ici.
Mais essayons ensemble de rester ici chez nous pour penser notre avenir ensemble. Ensemble. Non, le gouvernement ne peut pas le faire puisque les boursiers que le gouvernement a envoyés là-bas n'arrivent pas à leur donner. Il y a eu des cas du Liban, des Émirats, du Koweït. Le gouvernement a fait quoi? Non, ce qu'on devrait faire, c'est que l'histoire de l'humanité est faite de migration des populations. Nous tous, nous avons procédé aux migrations. Nos aïeux procédaient à des migrations. Mais la colonisation est venue nous mettre dans des enclos. On vous dit, limitez-vous aux frontières intangibles héritées de la colonisation. Ça limite donc des marchés. Pour le cas de l'Afrique centrale, nous avons deux regroupements sous-régionaux. D'abord, la CEMAC avec 6 États et la CEAC avec 10 États. Si on avait développé une vie communautaire au sein des 6 États de la CEMAC plus l'Angola, la RDC, le Burundi et le Rwanda, ça aurait dû, c'est-à-dire qu'avec votre récépissé, comme on ne délivre pas de cas d'entrée au Cameroun, ça allait permettre aujourd'hui de comprendre que bon, voilà un Camerounais, là son récépissé, il peut se déployer de la même manière que vous pouvez quitter Kousséri ou Yagoua et vous installer à Kiosi ou au Gabon. Donc, ce déploiement, cette migration-là n'est pas condamnable, c'est l'histoire de l'humanité. Donc, il y aurait donc un vaste marché où elle pense que les ongleries qu'elle fait ici, les nattes, peut-être, c'est plus productif au Gabon, elle peut s'installer au Gabon. Si c'est plus rentable en RDC ou en Angola, elle peut, avec sa même carte d'identité qui lui permettait d'aller à Yaoundé et présenter au contrôle police, donc il y aurait eu un large marché où on peut, les Angolais allaient venir ici et vice-versa. Donc, plein de start-upers camerounais devaient se retrouver au Rwanda où ils allaient s'épanouir. C'est donc comme ça qu'avec une carte communautaire de l'Afrique centrale, vous pouvez encore prospecter en Afrique de l'Ouest si ça vous chante, ou en Afrique de l'Est si vous savez parler un peu anglais, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment on aurait dû être organisé. Absolument. Mais lorsque vous avez une Union africaine qui est financée par l'Union européenne, et l'Union européenne vous dit par exemple, non, on ne veut pas ceci. Laissez votre énergie entre les mains des partis. N'étiez pas ceci. Et le FMI vient vous donne. Le FMI encadre même les détournements de l'argent qu'il vous a donné pour les banques à l'étranger. Bon, les populations se trouvent dans une situation très complexe. Très complexe parce que là, ça devient difficile. Comme nous disons souvent, c'est difficile de conseiller une femme amoureuse. Voilà. Et c'est la deuxième tentative pour elle. Oui. C'est-à-dire qu'elle avait l'argent. Donc, pour elle, rassembler 500 000, ce n'était pas un problème, puisque apparemment, elle avait une dextérité quand elle vous posait les ongles, quand elle vous pesait. Bah, elle avait un projet. Elle avait un projet qu'il faut respecter aussi. L'obsession de partir, c'est que il faut que je parte. Il faut que je parte. Vous pourriez lui dire n'importe quoi, elle n'allait pas rester. Donc, c'est malheureux ce qui nous arrive, mais c'est au niveau politique qu'on pense ces projets-là. Pour laisser à vos citoyens de se déployer et de s'épanouir. Allez, et selon bien sûr les statistiques, Michel Lamembachou, de l'Organisation internationale des migrations, on fait quand même savoir qu'au moins 1146 personnes sont mortes en mer au cours du premier semestre 2021. Seulement 1146 personnes pour le moment. Et on sait que chaque fois, chaque année, il y a des morts et des morts dans la Méditerranée. J'ai entendu un jour quelqu'un dire que nous quittons l'Afrique et nous allons en Europe rechercher ceux qui prennent le temps à nous voler en permanence. Nous quittons l'Afrique, nous allons en Europe rechercher ceux qui nous ont volé en permanence. Alors, c'est suffisant pour se dire, on va rechercher. Et on a même des images de ces Noirs venant des différents pays du continent qui se retrouvent en mer et qui sont poussés et tués par des personnes connus. On a encore des images qui circulent juste sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour dire aux Africains, si ça ne va pas, trouvons le moyen de se souder, de se fermer entre nous et dire, ben, nous, on n'a plus besoin de l'Europe, nous restons chez nous, on fait ce qu'on a, cher la même battue. Le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, a déclaré à l'endroit de la diaspora, pas athée, personne ne vous supplie. Et oubliez la double nationalité, vous n'en avez pas besoin. En matière d'État,
on ne sert pas 2 mètres. En matière d'État. Fin de citation. Monsieur Michel Ngatchou, si vous comprenez ce qu'il a dit, vous pouvez comprendre que ça ne le fait ni chaud, ni froid. Ni chaud, ni froid. Il y a 2 choses qui sont appelées à inquiéter tout un régime en place. Le premier, c'est le fait pour la douane de faire des chiffres. Dans un pays où la douane fait des chiffres, vous devez vous inquiéter parce que vous importez plus, monsieur Michel Ngatchou, vous importez plus et vous tuez le marché local. Vous nous avez dit ici là que les accords de partenariat nous ont fait perdre beaucoup de milliards. 30 milliards en 5 ans. Beaucoup de milliards, monsieur Michel Ngatchou, qu'on aurait dû gagner. Le deuxième point, c'est avoir une jeunesse qui meurt. Une jeunesse qui meurt de famine, une jeunesse qui meurt par manque d'emploi, une jeunesse atteinte de cécité du fait qu'elle se débrouille dans le noir avec le délestage, une jeunesse qui meurt du fait de la drogue, une jeunesse qui meurt du fait de la consommation de l'alcool, une jeunesse qui meurt parce qu'elle rêve. L'État devait se plaindre, se poser des questions, se remettre en question par rapport à cette jeunesse qui rêve. J'ai envie de dire aujourd'hui honte à tous les députés femmes. Honte à elles. Honte à ces élus, permettez-moi l'expression, égocentriques et égoïstes. C'est une femme. C'est une femme. La femme est comme un commandant de bord dans un navire. Elle est la dernière à quitter. Si c'est les femmes qui commencent à fuir, généralement c'est les hommes qui partent, monsieur Michel Ngatchou, qui sont prêts à affronter. Mais lorsque c'est la femme qui commence à prendre les devants, on devrait alerter. La violence faite aux femmes, elles sont où les élus? Voici une femme. N'inquiétez pas seulement par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille, par rapport aux frustrations de la vie. Vous pensez que parce qu'elle avait un comptoir où elle faisait ses manicures, pédicures, elle était à l'aise? Frustration par rapport à son bailleur, frustration par rapport aux impôts, frustration par rapport aux arts de recouvrement, frustration par rapport à la lumière. Elle avait quel type de frustration? Est-ce que l'État le menace, la promotion de la femme et de la famille, et a travaillé? Non, ils seront tous de ces élus, de ces ministres, comptable de ces morts à l'appel. Très bien. On va également ce matin adresser en nouveau toutes nos condoléances à la famille durement éprouvée de ça, cette Camerounaise. Oui, ça, c'est le cas que vous avez vu. On a eu plus. Il y a plein de filles. Il y a déjà 3 mois, il y a une dont les images avaient fait le tour. On recherchait même le lieu. Elle était décédée. Elle, c'est dans la mer. Voilà. On avait retrouvé un bout de son corps, M. Michel Ngatchou, parce que les poissons avaient mangé. C'était un bout pratiquement le buste. Voilà, on va comprendre. Michel, c'est tellement compliqué parce qu'on se dit, avec toutes ces images atroces que ces jeunes regardent, comment toujours cet appétit à vouloir quitter les lieux? On est d'accord que c'est dur, mais ce n'est pas au niveau de donner sa vie. Ils vous diront que de mourir. Ou de mourir. On a des jeunes. Permettez-moi, avec le projet Youth Animal. Je vous prends ce projet de 117 milliards de francs CFA financé par la barre. Non. Les jeunes ont cru. Ils ont abandonné le Bensikine. Ils ont abandonné pour aller se lancer. À la fin, même le parchemin, ils n'ont rien eu. On les a rejetés au quartier. Vous pensez qu'un jeune comme ça fait quoi? Il y a eu le Piaci, il y a eu le Pagé U, il y a eu le Pitma, il y a eu le Pifma. Je peux vous citer les projets où les jeunes ont cru. Ils sont où? Il y a le plan triennal. Michel Ngatchou, si vous permettez. Pour poursuivre, Isabelle Carole. Cette femme meurt dans un désert enterré là-bas. C'est-à-dire que ses enfants n'ont même pas la possibilité même d'aller s'incliner devant sa dépouille. Et vous savez ce que ça fait de vivre ça toute une vie, de ne même pas voir la dépouille de votre mère, de votre soeur, de votre frère. Je dis, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué, on est d'accord. Mais si vous n'avez pas... Si vous n'avez pas la possibilité d'aller normalement comme il se doit, vraiment ne prenez pas ce chemin. Il y en a qui ont réussi, mais il faut dire que c'est les chances de réussite sont de plus en plus infimes. Ça, il faut le dire. Avant, beaucoup y allaient, la probabilité de réussite était même très élevée ou encore d'arriver au bon endroit. Mais de plus en plus, vraiment, les chances ne cessent de se réduire. On n'oubliera pas justement, on va dire, les scènes macabres
qu'on a connu avec des Camerounais qui sont dans les prisons aujourd'hui en Libye. On ne connaît pas, on n'oublie pas ces Camerounais qui sont dans les prisons aujourd'hui en Algérie. On n'oublie pas ces Camerounais qui sont en prison aujourd'hui au Maroc en même temps et qui tentent de rallier, on va dire, l'Europe à travers ou à partie justement de la Méditerranée. Et c'est un risque énorme. Vous n'avez pas dit qu'il faut empêcher. J'ai discuté avec Prudence, ces jeunes filles qui sont têtes du Koweït. J'ai discuté avec plein de jeunes qui venaient en nous disant que on payait ces gars pour empêcher les Noirs de traverser via la Libye. On payait ces gars pour faire ça, histoire de décourager les Africains de pouvoir traverser par la mer. Que les politiques camerounais mettent sur pied, Chalamel. On met des bonnes politiques. Il ne manque pas l'argent au Cameroun. Vous nous parlez de 180 milliards. Il y a l'argent au Cameroun qu'on met pour pouvoir payer le Cameroun. D'accord, merci. Michel. Combien de Camerounais vous voyez dehors? Combien de Camerounais vous voyez dehors? Si on met pas l'argent à votre disposition, vous allez dans les pertes de votre vie. Mais non. Et quand vous mourrez dans de telles conditions, vraiment, c'est votre famille d'abord qui en pâtit. Bon, Michel Ngatou, c'est tellement compliqué, mais il y a des moyens au moins pour survivre. Très bien. Pourquoi pour vivre comme on le souhaite, mais au moins pour survivre. L'activité qu'elle menait permettait au moins qu'elle nourrisse ses enfants. Très bien, donnons la parole aux autres, Isabelle Carole. Rapidement, Dominique. C'est la désolation. Il y a eu combien de morts ce week-end dans l'Anse Douala? Merci. Les gens ne voyagent pas. Merci. Alors, quand même, permettez Isabelle Caron. Mais chacun a son imaginaire propre. Chacun a ses aspirations. Allons-y, mourons. Mais justement, le problème, c'est les politiques publiques. Donc, on interpelle ici les chefs d'État pour avoir un marché assez large, au moins pour les 10 pays de la CEAC. L'Union européenne est en train de se construire. Et quelquefois, même l'Union européenne vous dit qu'on ne veut pas construire avec les Arabes. Voilà. Donc, c'est aux États de définir quelle est la politique d'avenir pour leur jeunesse. Merci, Mbon Bengan. Dominique Audrey, justement, le sujet semble être très passionnant. Oui. Il faut quand même que l'on interpelle, c'est soit l'État ou les Africains eux-mêmes aujourd'hui. Écoutez, tous les jours, on interpelle l'État. Tous les jours, on interpelle l'État. L'État n'est pas à même de nous donner de l'eau à boire. L'État ne nous donne pas d'électricité. On ne peut même pas se soigner. N'attendez rien de cet État-là. Prenez-vous en charge et ne partez pas de cette façon-là. Je crois que si elle a eu la possibilité d'avoir 1 million et d'avoir encore de l'argent et encore, elle pouvait prendre d'autres mesures. Tout à fait, on le dit, hein. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette façon parce que rien ne nous dit que les personnes vers lesquelles nos frères sont en train d'aller là-bas ne peuvent pas envoyer des gens en mission pour les tuer en mer. Non, peut-être que ça se fait intentionnellement. On ne peut donc pas encourager les gens à faire ça. Je vous prends une image. Vous voyez, vous quittez Douala, vous allez à Banganté. Je prends n'importe quoi. Vous allez à Ngoro. Vous arrivez à Ngoro avec les jeunes de Ngoro. Lorsque vous traversez le jeune de Ngoro, vous regardez, vous dites, oh, ça c'est M. Michel Ngatou. C'est sûr que sa veste là coûte 100 000. Les chaussures de M. Ngatou. Vous sortez un téléphone dernier cri. Vous donnez à boire. Vous donnez à boire, le jeune vient de grand. Or, avec son jansan qui fait Ngoro, il parvient à sortir 5, 6, 7 ans. Mais il a l'impression que vous qui êtes à Douala, vous vivez mieux que lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il se bat, il achète sa moto. Il attend les prochaines, quand il prend sa moto, il abandonne le champ, il bâche sur le coaster, il vient vous retrouver, vous appelez, vous dit que je suis à Douala. C'est là où il dit, grand, tu habites de quel côté? Tu le jongles, tu le jongles, il dit que grand, ne te gêne pas. Il trouve ses collègues, ben c'est qu'il va, il dorme dans les stations. Je suis en train de faire un travail avec eux, ou plein de gars, il vient dormir. Le gars dit, moi aussi, je vais rentrer vivre au village. Conséquence, tout le monde fuit, on vient à Douala. C'est pareil pour l'Europe. Merci. N'empêchez pas les gens de rêver. Les gens ont rêvé. Et ils sont prêts à tout pour merci. C'est l'État qui doit empêcher. Je vous en prie. On doit empêcher en permettant à ces jeunes de pouvoir travailler, avoir un travail décent. Et il faut qu'on se le dise. On se le dit. On ne peut pas comprendre. J'aime à le dire encore aux Camerounais, aux frères, que lorsqu'on regarde la période de l'esclavage, on est passé à une étape qui était encore le colonialisme, si on va le dire ainsi, et le néocolonialisme aujourd'hui. L'Europe fait tout pour ne pas permettre aux Africains d'aller en Europe, en réalité. Mais ce qui est curieux, ce sont les mêmes Européens qui font tout pour appauvrir les Africains aujourd'hui. Et ce qui est curieux en même temps, les mêmes Européens, comme c'est le cas au Cameroun, avec la France, a choisi de laisser à la tête du Cameroun un sous-préfet français à la tête du Cameroun qui
n'est là que pour des injonctions venant de la France. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne dit pas aux Français que fermer nos temps les portes que vous allez faire fermer la France. On, ben, bon, on ira même noircir la France en réalité. Mais ceux qui y sont favoris, c'est clair. On ne peut pas laisser aussi facilement. Il y a la légalité parce qu'aujourd'hui, on va vous imposer par exemple ce qu'on appelle le passeport sanitaire. Si on ne le dit pas de façon légalement, on les envoie. Il y a des Camerounais qui ne veulent pas se vacciner. En même temps, il y a des Africains qui là-bas comprennent et vivent très mal. Alors, on ne peut pas comprendre que des gens aient choisi. Allez au Niger, voir ce que la France fait au Niger. Allez voir ce qu'ils font au Cameroun. Allez voir ce qu'ils font justement au Tchad, ainsi de suite, dans le Sahel. Ils ne permettent pas justement. Mais c'est incroyable quand même. Vous permettez que des filles fuient le Cameroun pour être des domestiques ailleurs. Parce qu'elles ont choisi. Non, mais sans sérieux. Merci beaucoup. Allez, on a mis un peu d'organe. On stoppe là. Concile la minute avec nous dans un instant. The next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretariat Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme, ISPA et Ayaoundé. Comme Cana, rue face immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Avec Concile Lamine à l'instant, bien évidemment, quatre questions. Oui, très évidentes. Concile, déjà bonjour à vous. Alors bonjour Michel Ngatiou, bonjour à tous les parents, bonjour à tous les téléspectateurs et bienvenue à ISPA. Et vous êtes là justement pour cette communication. Dites-nous déjà comment s'est déroulée l'année 2020-2021 à ISPA. Alors je tiens déjà à remercier tous les parents qui ont fait confiance une fois de plus à cette école supérieure unique en Sanjar du côté bien sûr de Yaoundé. Également je remercie également tous les étudiants qui sont partis du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun et même du Tchad pour choisir en plein cœur de Yaoundé en face de l'immeuble Macabo au quartier Kantana. Dites-nous comment s'est passée l'année universitaire académique. Alors comment s'est déroulée l'année académique 2020-2021? Elle s'est déroulée dans de très très bonnes conditions déjà. Les enseignants était vraiment de très très bonne qualité, l'enseignement y était et tout ce qui a été dit au courant de l'année académique a été maintenu et a été reçu, bien sûr respecté, notamment les stages académiques qu'on a donnés à tous les étudiants, à plus de 750 étudiants qui ont choisi les portes de ISPA pour l'année académique passée. Voilà donc pour ce qui est d'un petit bilan de l'année académique 2020-2021 du côté bien sûr de ISPA, voilà. Raison pour laquelle ce matin nous revenons pour lancer officiellement la campagne de l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandans, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Yaoundé, au quartier Kamkana, en face de l'immeuble Macabo. Alors, et on parle également des filières disponibles en ce moment là-bas. Il s'agit de quoi, Constantin ? Il faut rappeler que ISPA, c'est plusieurs filières de formation, des filières de formation à fort potentiel d'emploi, en cours du jour et cours du soir. Il faut également rappeler que ISPA, c'est deux sections, la section anglophone et la section francophone. ISPA, c'est des filières telles que la gestion, la banque, la comptabilité, le génie civil, l'agriculture, l'élevage et bien entendu plusieurs autres filières qui permettront aux apprenants d'avoir une formation de qualité. Alors, chers parents, pour cette année académique 2021-2022, il y a beaucoup, c'est-à-dire beaucoup d'innovations du côté, bien sûr, de ISPA. Ce que je demanderai aux parents, tout simplement, c'est d'aller du côté, bien sûr, du quartier Kamkana, en face immeuble Macabo, et de choisir cette école supérieure unique en son genre. Parce que ISPA, c'est la qualité, c'est la crédibilité, c'est la fiabilité et c'est surtout le respect de ses engagements. Et on poursuit, Constantin Lamine, la particularité de ISPA, c'est quoi? Chers parents, je sais très bien qu'il y a des établissements supérieurs à Yaoundé. Il y a même, c'est-à-dire il y a des établissements qui naissent tous les jours parce que de plus en plus, les gens ont compris que c'est de ce côté-là qu'il y a de l'argent. Mais il faut déjà rappeler que le fondateur de ISPA n'est pas un homme d'affaires. Ce n'est pas un commerçant, c'est un enseignant chevronné camerounais.
il faut le rappeler déjà, c'est un quelqu'un qui a l'amour de l'enseignement, raison pour laquelle il a mis sur pied depuis plusieurs années cette école supérieure qui présente plusieurs particularités. Déjà, le cadre est un cadre de rêve. Les salles de cours sont modernes. Les enseignants sont de très très bonne qualité. Et la grande particularité à ISPA, c'est que le coût de la formation est à la portée de tous les apprenants. Que ce soit les étudiants en cycle BTS, les étudiants en cycle licence, en cycle master, le coût de la formation est à la portée de tout un chacun. Alors je recommande bien entendu les parents de choisir cette école supérieure unique en son genre. Et votre mot de fin, Constil Ami? Alors le mot de fin que je dirais tout ça aux parents ce matin, choisir une école supérieure, c'est bien pour vos enfants, mais choisir l'institut universitaire privé, les Armandans, c'est encore mieux. Et vous savez très bien que le concept Salaka n'associe pas son image derrière n'importe quoi. Ça fait plus de 5 ans que je suis le communicateur de cette école. Et cette année académique, je reviens encore pour informer les parents, pour attirer l'attention des parents, pour leur demander, pour leur recommander d'aller du côté de Yaoundé. Que vous soyez à Garoua, au Gabon, au Tchad, à Douala, l'école qui vous permettra d'avoir une formation de qualité, elle est celle qui est présentée par le concept Salaka ce matin à Equinox Télévision. Merci. Merci et bien des choses à tous les parents. Les numéros, vous les avez. Appelez, renseignez-vous au maximum. Rendez-vous en Komkana, en face immeuble Macabo. Vous avez sur place l'Institut universitaire supérieur bilingue, les Armandins. Next Academy Year is knocking at the door. Obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretariat Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme, ISPA et Yaoundé. Komkana, rue face immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-armandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. On se quitte bien sûr, mais bien sûr, madame, monsieur, avec une question évidente. Comment le Cameroun peut-il choisir de rejeter 300 médecins aujourd'hui sans dentiste et sans pharmacien? Et la raison que le Cameroun donne pour ne pas recruter ces promotions, bien sûr, qui vont de 1993 à 2020, c'est que les caisses de l'État sont vides. Et au même moment, on sait qu'un Camerounais a été nommé vice-électeur dans une université hors du Cameroun et que l'un des ministres de la République trouve très juste de à ce dernier, viens rembourser ce que le Cameroun a investi sur toi. C'est incroyable. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. À demain, 10h.